tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde de la bande dessinée américaine et de ses adaptations. Nous revenons trois fois par mois sur ce qui fait le sel de cette actualité, ce qui montre que la BD américaine elle est bien vivante en compagnie de l'ami Corentin. Salut, ici présent, tu vas bien Oui, je suis un peu groggy, mais euh, sinon ça va et toi euh, bah, écoute, moi je ne suis pas gros Guy, euh, puisque je, je ne me fais pas de sport comme toi euh, <laughs> violent, euh, comme ça, juste avant d'enregistrer le podcast. Et effectivement, il faut te faut. Euh... Je t'ai proposé mercredi. Euh, oui. Je t'ai proposé mercredi. <laughs> T'as voulu faire ça aujourd'hui. Bah oui, mais les, les, les impératifs des plannings de publication, puisqu'en ce moment, on est dans une période forcément très chargée, puisqu'il y a encore quelques interviews du FIBD qui nous restent. J'essaie d'avoir de, de, en fait, de, de, des, des retranscriptions en français pour que tout le monde puisse en profiter au même, au même moment. Et et en même temps, bah, ça prend du temps et ensuite les semaines passent et on arrive déjà en mars. Il y a des salons qui arrivent avec d'autres interviews qui ont arrivé, donc, pour essayer de pas trop se faire dépasser. Surtout qu'il y a d'autres interviews qui sont faites aussi avec des, euh, de la BD française euh, aux Grandes Dames de Corentin. T'as trop de, trop d'interviews euh, Ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah mais en même temps. Euh, L'avantage de la BD française, c'est que t'as pas à les traduire. C'est ça, mais il faut quand même les publier parce que là, j'en ai trois qui sont enregistrés depuis deux semaines. Euh, voilà, il faut les sortir. Bref, il y a quand même toujours un programme aussi chargé sur First Print, mais là, vous êtes dans le rendez-vous d'actualité. On vous on voit, vous rappelle a besoin que cette émission le front page est sponsorisé par notre partenaire Pulps c'est deux boutiques, enfin c'est même trois boutiques sur Paris mais nous on est vraiment avec Pulps Comics hein, qui propose tout un choix de comics en VO et en VF mais on salue également Pulps à Bordeaux qu'on aime aussi beaucoup, on leur fait beaucoup de bisous et puis il y a la boutique en ligne pulps.fr sur laquelle vous pouvez faire ben, tous vos achats en VO et en VF et notamment sur la VO on vous propose le Focus Pulps, une petite chronique qui vous présente trois titres à prix de lancement on a déjà fait notre sélection pour le mois de mars, euh, c'est à découvrir soit dans le précédent front page, celui euh, qui était donc le février 2024, 3 sur 3. Mais sinon, on a aussi mis la chronique euh, dédiée en fait dans un petit euh, podcast en euh, dehors. Comme ça, vous pouvez l'écouter directement. Euh, et en tout cas, on les remercie de continuer euh, l'aventure avec nous. D'ailleurs, on aura sûrement des choses à vous parler avec Pulps dans les prochains mois à venir. Mais ceci, c'est du teasing. Et bien entendu, je ne peux pas en dire plus pour le moment. Waouh! Une autre donnée importante, bien entendu, c'est votre soutien à vous, celles et ceux qui nous écoutez, grâce à notre page Tipeee. C'est vraiment là, avec les tipeurs qu'on peut espérer voir l'avenir sur le long terme. Et on remercie les 139 personnes qui sont actuellement sur notre page et qui contribuent. Eh bien, à notre, à notre avenir concret. Et on vous rappelle que si vous appréciez ces émissions, vous pouvez partager le podcast sur les réseaux sociaux, en parler autour de vous et également, donc, la page typique est ouverte. N'hésitez pas mmh. à venir faire un petit don. Ça nous fera toujours très plaisir. et hey, tipeur, n'arrête pas de tiper c'est ça ça doit être un un personnage de Dora <laughs> l'exploratrice effectivement euh, avec un, un, petit, un petit un petit bulot comme ça qui met des pièces ouais. comme ça qui arrête pas de, jeter, de, de donner des pièces là, à intervalles réguliers voilà vous êtes des bulots euh, ch <laughs> chers amis Tipeurs <laughs> sachant que moi j'adore les bulots j'adore tout ce qui est rongeur, euh, les musarines et tout ça je trouve ça trop mignon ah tu veux dire mulot ah oui pardon t'as bulot oui parce que le bulot c'est pas un le truc, bulot c'est un escargot en fait, c'est un truc dégueulasse l'escargot de mer oui le fruit de ah oui non, ça... non pas du tout. <laughs> genre, le mec, voilà, le, le, le type, il vient de s'effondrer à moitié. Quoi, <laughs> il me traite de bulot? connard ouais, ça. non non de Mulot effectivement c'est en plus c'est vraiment le BM donc c'est vraiment la grosse mythe qui revient quoi c'est vraiment voilà, ce genre de truc je vais trouver le podcast de la blague de la grosse mythe qui, qui a beaucoup marqué qui a beaucoup marqué je crois que c'était euh, le podcast le fait... plus écouté de l'histoire non mais j'avais fait j'avais fait j'étais passé sur un live que, que le néophyte des comics qui est un vidéaste sur Youtube avait fait pendant 26 heures ce grand malade et il m'avait invité juste pour, 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 pour parler un peu de bah, de ComicsBot de faire se présenter un peu le truc et dans les commentaires qui disait la blague de la grosse ouais, mythe et tout ça. Oh, ouais. On veut la blague de la grosse mythe. Les gens vont dans la rue, avec des pancartes et tout. On veut la blague de la grosse mythe. Ils se déguisent en grosse mythe. les qu'il nos sorts, il y a 50 personnes <laughs> qui attendent la blague de la grosse mythe. <laughs> C'est n'importe quoi. Bref, fini les digressions, uh, Corentin. Les digressions. Les digressions. Moi, je dis le S, euh, même s'il n'y en a pas, je m'en fiche. <laughs> On va tout de suite commencer bah, cette partie d'actualité comics. Alors il y avait un premier point que je voulais faire juste du côté euh, des financements participatifs pour vous indiquer qu'il y a un album qui s'appelle Les Particules Infinistes, un roman graphique de Wendy Shu. Euh, Wendy Shu qu'on a reçu dans le podcast parce qu'elle a fait Mooncakes et Tight Song, euh, donc, euh, qui sont tous les deux sortis chez Bliss Edition. Et donc là, c'est son nouveau roman graphique qui est en, en, bah, en précommande chez Bliss. C'est un roman de science-fiction. Euh, euh, en fait qui se passe euh, qui se passe dans un futur très lointain, en fait et qui a notamment rencontré une une IA en fait entre une entre ouais une scientifique et en fait ben un être euh, qui est euh, une intelligence artificielle en fait euh, donc euh à voir sur les questions de euh, qu'est-ce que l'être euh, wow. les sentiments l sur euh, voilà qu'est-ce que l'âme qu'est-ce que, euh, qu qu que la vie qu'est-ce que la, la, la personnalité et tout ça euh, ça a l'air bah, toujours aussi joli parce que Wendy Shaw a vraiment un trait assez assez particulier c'est aussi dans des dans des tonalités de, de, de couleurs un peu pastel avec vraiment de euh, de principalement utilisés d'aller vers le rose un peu pour les décors et plus vers le bleu pour pour les personnages et donc bah, si vous en parlez c'est pas bah déjà parce qu'on a eu on a déjà interviewé Wendy et je trouve que son œuvre c'est vraiment bah, c'est l'autrice qui est à qui est à suivre et aussi bah, parce que bah, on va pas se, se, se le cacher il reste sept jours à alors on met ce podcast en ligne et il reste encore bah, les deux tiers de la campagne à financer donc euh, si vous pouvez euh, si vous écoutez ce podcast et que ça que ça, que ça vous intéresse comme, comme projet, euh, et je pense que ça devrait vous intéresser euh, si vous faites partie voilà des gens qui qui suivent nos recommandations, et eh ben je vous recommande donc d'aller faire un tour. Euh, la page elle est ouverte. Euh, de toute façon il y a le lien dans la description de ce podcast. À titre personnel j'ai déjà contribué, mais voilà on n'est que 26 <laughs> C'est quand même un petit peu de un petit peu dommage et un peu surprenant j'avoue. Euh, D'habitude ils réussissent toujours bien leur campagne, mais en tout cas hésitez pas à aller regarder, à jeter un œil. Et si même si vous ne voulez pas participer, eh ben par euh, pareil vous pouvez partager et en parler autour de vous. Je pense que c'est important de continuer de soutenir euh, Bliss dans euh, toutes leurs entreprises. Autre point important pour démarrer ce podcast, c'est toujours un peu tu sais, du côté de l'événementiel, euh, que j'aime bien un petit peu aborder, puis ça me permet surtout d'avoir en fait, euh, oui. cette euh, prise de parole sans interruption. En fait, c'est euh, vrai que c'est... Aucun... Mais moi je me repose aussi du coup. Voilà, puisque Corentin, il est juste là pour, euh, pour adouber euh, ce que je dis. Non, mais quand même, événement assez incroyable, on va dire Jim Lee. Oui, tu as raison. Jim Lee qui est présent en France fin mars 2024. C'est vrai, tu as raison voilà tu vois je t'interromps <laughs> pour te faire, je, je, juste pour me dire que j'ai raison donc en fait c'est alors c'est vraiment un événement euh, j'allais dire tripartite puisque la venue elle se fait conjointement alors c'est d'un côté avec Warner Bros Warner Bros slash DC Comics France puisqu'il il y a notamment bah, en fait la, la sortie euh, de la série documentaire Super Powered sur Warner TV Next donc c'est la chaîne qui était anciennement euh, Toonami qui a beaucoup, beaucoup de, de créneaux consacrés à DC qui avaient aussi bah, diffusé les documentaires de Xavier Fournier avant. Donc là, en fait, il diffuse en France la série documentaire qui avait été commandée pour Max. Donc Jim Lee vient en France un peu pour participer à, ce, à cette promotion, sachant que ceci le Top départ en fait pour fêter les 85 ans de Batman, euh, que ce soit en France ou dans le monde. Donc il y aura d'autres festivités annoncées. Mais dans ce cadre-là, Jimmy va venir à Comic Con France pour faire un panel pour parler du documentaire des 850 de Batman, des 850 de Batman, tout ça. Alors c'est une heure le samedi après. Donc si vous voulez aller à la Comic Con France, euh, pensez bien y aller à ce moment-là moment puisque il n'y aura pas de séance de dédicace par contre justement si euh, vous voulez euh, espérer le, le rencontrer euh, il y a des séances de dédicaces, des dédicaces qui sont prévues avec Album Comics j'ai dit c'est tripartite. donc il y a aussi Album Comics qui s'y greffe en plus de Comic Con France alors j'ai peur quand même qu'à l'heure où on met ça en ligne toutes les places soient déjà parties parce ont ça a été annoncé là, il y a une semaine quand, quand on enregistre le podcast mais il y a aussi des créneaux euh, au Batman Escape donc euh, la salle d'escape game euh, Batman euh, qui a été inaugurée enfin qui maintenant est complète les trois salles ouais. de jeu sont, sont proposées c'est qui... vrai t'as raison qui se situe au parc de la Villette, donc c'est à l'espace Boom Boom Villette, ça s'appelle, et il fera aussi des, des, des petits créneaux de dédicace là-bas, donc en tout cas, voilà, c'est quand même un événement plutôt important en soi, et on ne pouvait donc pas euh, passer à côté. Alors je ne peux pas vous promettre forcément qu'il y aura euh, Jim sur First Sprint, mais euh, on est en discussion là-dessus, et j'espère quand même que. Euh, quel que soit le, le résultat, bah, vous pourrez, on pourra entendre, euh, on pourra entendre Big Jim, euh, dans le podcast. Donc, ça, c'est, <laughs> ah, ouais, pas, j'ai envie de Big Jim, c'est une figurine, euh, c'est un jouet, en fait. C'est vrai. Ouais. ouais, mais en même temps, c'est à ah, -ce que c'est. Concurrent des Jay DJ Joe à une époque. Ouais, mais est-ce que c'est pas un peu euh, une grande figurine, euh, C'est vrai. Tellement, voilà. Il, Jim Lee est une figurine, Il, il a dépassé le, le statut d'être humain depuis longtemps, quand même. Ben, pour aller vers la figurine. <laughs> c'est bah, bah, un homme sandwich, quelque part aussi, donc. Euh... Non, ça c'est. Non, es, c'est. Bah si, si, si. c'est un petit oh peu bon, méchant. Je suis d'accord avec moi-même. Mais... C'est un petit peu méchant. Bah du coup, c'est pas un toi qui l'interviewe. Ah non, <laughs> moi, ça, ça m'intéresse pas. On à... t'arrive Mais en tout cas, Comic Con France qui a aussi annoncé. Qui a annoncé quelques invités. Il y a Barry Kidson euh, qui, se qui, qui, qui sera là. David Lopez, par contre euh, aussi, qui, qui a été annoncé, et Monsieur euh, Garcin. On sait notamment aussi que Xavier Fournier sera présent euh, à Comic Con France, qu'il y aura deux stands aussi de, de comics, parce que Pulp sera présent et Central Comics aussi. Donc il y aura hey. quand même voilà du comics qui sera présent au Comic Con France, sachant que voilà c'est le festival qui s'intercale entre euh, Paris Manga, qui aura lieu en fin de semaine à l'oeuvre où on enregistre, et euh, le Paris Fan Festival, qui aura lieu euh, fin avril. Donc euh, il y aura un peu des touches de comics éparses à chacun, sachant que là où il y aura le plus le plus c'est quand même le Paris Fan Festival en termes de nombre d'invités ça, ça c'est certain mais voilà il y aura à chaque fois des, des choses différentes et on essaiera du mieux que nous pouvons avec nos maigres moyens humains euh, de couvrir euh, l'ensemble de l'actualité de ces salons et enfin dernier point sur l'événementiel euh, une grande expo je crois qu'on en avait déjà parlé parce que elle avait été annoncée en février 2023 mais on sait on en sait un petit peu plus sur la grosse exposition Marvel Comics qui aura lieu au musée de la bande dessinée à Angoulême puisque en fait de façon euh, un peu euh, Fortuite, euh, on apprend. Euh, la date de démarrage par euh, tout simplement un, en fait un, un site qui est dédié aux appels d'offres euh, parce qu'ils ont fait en fait la cité internationale de la BD Angoulême a fait un appel d'offres euh, sur donc sur les marchés publics pour que euh, des entreprises en fait s'occupent de la construction vraiment en tant que telle de l'exposition pour euh, bah, tout ce qui est le matériel et donc on sait qu'elle démarre en juin donc c'est le 26 juin 2024 qu'il y aura donc cette expo à Marvel on sait qu'elle est coprésidée enfin co-construite par Xavier Fournier justement et donc bah, on espère qu'on en aura des nouvelles rapidement puisque bah, juin 2024 24, mine de rien, c'est dans pas si longtemps que ça donc affaire à suivre de près mais en tout cas, visiblement, c'est ce que j'ai mis dans, dans mon article sur Comics Blog, je pense que tous les fans de comics et de bandes dessinées de façon, de, de façon générale vont devoir se, se caler un, une venue sur Angoulême cet été euh, à moins que l'excès de l'exposition puisse être mobile parce que je crois qu'à un moment dans dans la description du truc, ils disent qu'il y a des, des choses qui peuvent être déplacées aussi pour faire des, des expos plus ponctuelles, temporaires ailleurs. Donc à voir si elles se déplacera en France, mais en tout cas, voilà, ça reste un gros enjeu. Après, on l'a déjà souligné, le fait que les comics étaient absents de la programmation du, du FIB des années, malgré le fait que les deux faubourgs les plus importants aient été décernés à de la BD américaine. Je trouve que c'est cool d'avoir quand même du, du comics et en plus du mainstream et qui soit mis en exposition. Donc avec, je l'espère, ben euh, toutes les planches euh, possibles euh, des grands artistes voilà, qui ont fait passer de la grandeur passée et actuelle de, de l'éditeur, j'espère qu'on en aura euh, à se mettre sous les yeux. Voilà, ça fait un gros topo. Tu as raison. Et, euh, et maintenant, je vais prendre deux minutes pour ravaler toute la scène que, <laughs> que, qui ne vient plus, que je la de sages. Mais justement, je vais te laisser parler un petit peu, parce que du voilà. côté des euh, sorties à venir en France, oui. on a pas mal de Tortue Ninja qui était annoncé, notamment le volume Tortue Ninja d'Archie Comics qui arrive chez Vestron euh, Donc, euh, est-ce que tu peux juste nous dire un petit mot sur ce volume particulier, donc qui est euh, euh, complémentaire en fait des différentes offres Tortue Ninja que Vestron nous a déjà fait en France Oui, qui n'a pas l'air d'intéresser euh, iComics Comics euh, dans l'absolu. Donc, euh bah, que ce soit, que ça les intéresse ou pas, parce que c'est peut-être pas euh, c'est chez Archie justement donc c'est pas ADW, donc c'est sûr mais je pas pense pas, les... pas que les droits coûtent euh, extraordinairement cher et dans tous les cas ça reste propriété de Nicolas hein. c'est c'était du comics de licence euh, euh, qui doit avoir une sorte de montage financier parce que c'était donc <coughs> pardon pour résumer le comics euh, TMNT euh, Adventures c'est en fait l'adaptation au départ de la série animée Tortue ouais. Ninja des cinq premiers épisodes en trois numéros et après en fait à partir de là donc ça ça a été édité chez vestrand déjà avec euh, un premier album euh, qui peut-être qu'ils s'appelaient, s'appelait c'était Saturday Morning Special, je crois. Ouais, ou Cartoon Adventures, en tout comme ça, Ouais, un truc comme ça. ça. Bon, ça. ça. Ont, en tout cas, ils ont fait l'album où il y avait juste les premiers épisodes de la série animée. Et en fait, ça s'en est, est émancipé ça ensuite. Ça s'en est émancipé ensuite, effectivement, ça a pris ses distances avec euh, ce truc-là, parce que la série animée elle-même, elle a pas un narratif qui, euh, qui bouge beaucoup mmh. au début, c'est beaucoup des aventures, euh, assez freak of the week, euh, il va y avoir le narratif de fond, la rivalité avec le Shredder, mmh. l'arrivée de Kang, etc., etc., mais, le comics, lui, va plutôt prendre une perspective qui va être beaucoup plus proche, en fait, de ce qu'on verra plus tard dans le, des runs comme ceux de Vals, par exemple. C'est-à-dire de créer une vraie mythologie avec une, un vrai passage du temps, des personnages qui vont évoluer, notamment après le Nil qui va devenir une sorte de samouraï qui va apprendre les du combat, etc. Tout en gardant l'esthétique, en fait, du, du cartoon effectivement de, de Fox Kids. Euh, de Fox Kids ont marqué, peut-être une bêtise là. Enfin, du cartoon de 87, quoi, la fameuse série animée de 87. Avec le design rondouillard. Euh, tout voilà. à fait, voilà. Alors, c'est un, du... enfin, un volume qui a duré sur 60 numéros quand même. Et Vestron, bah. Euh, Vestron. Et, et Vestron, étonnamment, prend euh, pour les devants en disant qu'il y aura en fait 16 numéros, tout et pour tout. Avec un numéro par enfin, trimestre. ça c'est un tu dis. Oui, 16 tomes, pardon, je suis fatigué. <laughs> je, te reprenne, je te reprenne sur les intonations et les... 16 tomes euh, en tout et pour tout avec un par trimestre, puisque là on a déjà ouais. les annonces jusqu'à en septembre où il y aura le tome 3. Ça, ça ouais. fait quand même euh, une bonne production en hein, tant ninja, quand on sait qu'en face justement, bah, e comics va à peu près à cette même cadence. C'est euh... vrai, vrai que eux, en fait, ils sont plus sur... Enfin, c'est vrai qu'il y a... a, a c'est plusieurs axes, mais c'est vraiment sur les, les volumes IDW récents. Donc, tu as la série Tortue Reborn de Sophie Campbell mais c'est vrai qu'ils ont accéléré la cadence sur les intégrales puisqu'ils en ont, il y en a quatre de prévus pour cette année. Donc euh, vu que la 3 vient de sortir, il y en aura 4 5 6. On, on sera jusqu'à l'intégrale 6 euh, d'ici la fin de 2024 et en parallèle, ben ils font le dernier tome des classiques, c'est le tome 6. Euh, et aussi ben le euh, The Lost euh, The Last Ronin, Lost Years euh, qui doit aussi ouais. arriver. Donc ouais, il y a quand même tout un c'est de ces deux bandes donc tu les tortues historiques et t'as les tortues modernes et en fait Westron c'est vrai, gère pas mal de side projects en fait, bah, C'est ça parce qu'en plus des tortues historiques et les tortues modernes, il y a des tortues historiques modernes qu'ils ont aussi annoncé l'album Saturday Morning Special qui pour le coup reprend oui, les, euh, la nouvelle série qui se base sur l'ancienne série animée donc qui reprend l'esthétique les codes et le statu quo de cette version des Tortues Ninja euh, qui a été rééditée il y a un an ou deux par enfin il y a plusieurs volumes hein, même c'est plusieurs mini-séries par IAW Publishing dans le présent et à côté de ça ils complètent, en ah, en cherchant la première adaptation en comics qui euh, on n'en avait pas là avec Fred Seegeriste à l'époque qui lui considère bien que c'est vraiment un volume à considérer comme l'un des grands volumes de Tortu Ninja, avec un narratif filé, une vraie évolution dans le temps et tout. Donc, euh, quelque part, je sais pas, j'allais dire, en fait, c'est un truc qui va être peut-être plus de niche que les, les comics modernes de, de chez iComics. Mais en fait, quelque part, les tortues ninja de 87, ça reste aussi un petit peu la figure dominante pour beaucoup de fans. Ah oui, de et puis c'est, les tortues préférées de, d'une grande partie aussi du public, hein, ça c'est sûr, parce que, bah, phénomène de nostalgie, de découverte. Euh, ouais, bah voilà. ouais, du coup, peut-être que bon, c'est bien que ce volume-là soit édité, mais que finalement, ça va peut-être faire une sop à pas de l'ombre, on va pas non plus déconner, mais euh, ça Je va pense en pas. tout cas exister en parallèle de l'offre tortue. Euh, c'est bien pour les deux éditions parce que euh, bah, ça c montre bien que les Tortues Ninja maintenant sont très présentes en France et qu'on a le droit à des trucs qu'on n'aurait pas eu droit à une édition. Bah, c'est ça le truc c'est qu'elles sont présentes à voir mais ensuite si les, les si l'offre euh, suit la demande aussi ouais, mais c'est vrai qu'en termes d'exposition en tout cas on pourra pas dire et, et je pense que notamment ben bah, le fait est qu'il y a la série animée Tortue qui va arriver cet été aussi alors bon y a, euh, il y a justement ce qui est on va dire que le public a, qui accroche à, à Mutant Mayhem et à, et à Tales of the TMNT c'est a priori pas forcément les mêmes qui vont accrocher à la série des années 80-90, puisque peut-être pas les mêmes qui accrochent aux au comics modernes aussi. Ouais, c'est très non, différent. Mais tout tout non, mais tout, tout à fait. fait. Et c'est pour, pour ça de voir en fait s'il y aura des, re... mais il doit y avoir forcément des regroupements. mais En tout cas, on pourra pas dire que les gens qui euh, voient passer les Tortues Ninja ensuite, euh, s'ils s'intéressent un peu à, à l'offre en fait, se rendront compte qu'il y a quand même différents volumes de présents et qu'il y aura, euh, pour ainsi dire, grossièrement, des Tortues pour tous les goûts. Même si les Tortues c'est pas très comestible. Donc voilà, faut pas. On si, il est... y a des gens qui mangent de la tortue, mangent de tortue et tout. Ah oh non, c'est pas bon. T'as pas vu Cannibal Holocaust Si. Voilà. Ouais. Euh... <laughs> c'est quand même très particulier. Donc, euh, moi, je suis d'accord. Après, il faut se dire aussi, par exemple, que Urban fait du Batman depuis euh, je dis pige avec euh, des Batman classiques, des Batman modernes, des Batman interstitiels. et en fait, ça fait partie de la variété et de la qualité justement des tortues, c'est qu'aujourd'hui, on en a pour tous les goûts et tous les publics. Il y a des gens qui vont être euh, plus fans des jeux vidéo d'arcade Tortue Ninja de la grande époque d'autres qui attendent le double A, The uh, Astronaut de THQ Nordic. triple Le triple A maintenant, ok, waouh c'est fou. En, encore euh, que celui-là, c'est bizarre parce qu'il y a Embracer qui a licencié comme euh, plein de boîtes. De... Il y a les IA maintenant, t'inquiète, tout va bien. <laughs> ok, pas euh, le ça, va, ça va rien changer pour le développement maintenant. Il y a juste un mec qui va passer derrière les, les, les codeurs, en fait les codeurs, ce sera un logiciel. Euh... <laughs> non, ça dit blague à part, l'industrie du jeu vidéo va très très mal. Il y a, je sais pas combien de milliers de personnes qui ont été licenciées là sur l'espace ah oui, des derniers mois. Et justement, on avait suivi que Embracer qui avait racheté Dark Horse, dont on, on en avait parlé de ce, à ce moment là, mais en fait, ils avaient racheté énormément de, de groupes de, de studios de développement et de développement dans les deux dernières années parce que, comme pour le streaming, en fait, il y a eu une forme de, de chimère, en fait, sur le fait que le jeu vidéo allait devenir vraiment un, un Eldorado. Si, 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 si c'est différent encore. C'est le jeu vidéo a sciemment poussé vers l'évolution technologique en disant regardez on a des plus beaux graphismes à chaque génération à chaque génération à chaque génération et ça a demandé de plus en plus de salariés de plus en plus de grosses équipes pour faire cette putain de mode des mondes ouverts où en fait il fallait des équipes de 500 personnes pour faire un triple A et en fait à un moment donné le parc de consommateurs a pas augmenté comme il voulait. C'est pire ouais, que, le streaming, que... Ouais, que le streaming parce que le streaming ils ont fait ça pendant cinq ans en se disant une fois qu'on aura conquis cette, cette masse critique. Non mais ce que je veux dire pardon veux... parce que je t'interromps juste mais en fait par rapport à, 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 au Covid en fait les gens regardaient plus de plateformes et les gens ont plus joué aux jeux vidéo il y avait vraiment eu des, des données statistiques et c'est pour ça qu'il y avait aussi ce, cette accélération en fait et, et euh, je pense du côté d'Imbresser en fait ces volontés de rachat aussi euh, pour le jeu vidéo en disant ouais effectivement on va développer développer mais, effectu... mais alors sur, sur des considérations différentes dans les deux cas en fait le monde réel est revenu à une, sa, sa forme de, de norme pré, pré covid en tout cas enfin le monde a changé mais il y a quand même des choses qui sont revenues sur le fait que en fait les gens aiment sortir, aiment voyager, aiment faire des trucs euh, de concret dans la vie de tous les jours et donc euh, ce qu'on a vu sur le streaming s'applique aussi aux jeux vidéo et je, je voulais te citer ce que j'ai regardé justement un, une vidéo d'analyse en fait qui était a, a, assez euh, assez sourcé là là là-dessus pour pour voir et d'y voir vraiment les, les le parallèle en fait vraiment en fait sur le fait qu'il y a une force une, ouais une vraie chimère en fait en disant que ça allait pouvoir se développer euh, comme ça de façon exponentielle et, et là ce qui se passe dans dans jeu vidéo c'est euh, vraiment la, la même dynamique en fait mais sûr. la même dynamique qui touche les mais... studios les, les studios comme euh, Warner et Disney euh, qui oui, cherchent oui, à oui, faire oui. des économies comme Netflix aussi enfin mais voilà, et ça faire... c'est toujours paradoxal si tu veux si ils veulent faire des économies à, après, Disney ils ont sorti quand même trois films qui étaient à plus de 300 millions de budget l'année dernière tu vois et le jeu vidéo, avant la crise Covid, il bah y, y avait quand déjà même plus des... de 50% des blockbusters qui étaient moins, qui étaient pas rentables, en fait. C'est pour ça qu'après, ils ont inventé les économies d'échelle, comme les DLC, les partenariats, le sponsoring. les le jeu service de, de l'enfer. Tu vois, aussi. voilà, c'est pour ça, en fait, qu'ils ont, le jeu vidéo a toujours été une fuite en avant sur comment est-ce qu'on peut faire les poches des gens en vendant des jeux beaucoup plus beaux, beaucoup plus beaux, beaucoup plus beaux. Et à un moment donné, bah, je suis euh, pas forcément d'accord là-dessus, mais en euh, tout cas, c'est pas, c'est pas, on n'est pas de toute façon, n'est pas expert jeu vidéo non plus. Mais ce que je veux dire, c'était que il y avait peut-être euh, quand même, vu quand même a licencié et tout ça, des doutes en, juste sur le, le projet de Lost oui, putain De oui, enfin, une voilà. grande parenthèse pour le jeu vidéo Donc, Sur lequel voilà. il y avait des inquiétudes. C'est ça. Ce que je voulais <laughs> dire, c'est qu'il y a des tortues <laughs> déjà pour tous les publics aujourd'hui. C'est super cool. Voilà, mangez-en, c'est très bon. Très bien. Et justement, puisqu'on parlait d'iComics, c'est juste le point d'aborder. Donc, ils ont sorti une vidéo il n'y a pas si longtemps ou dans leur programme, alors, techniquement, vous saviez déjà tout si vous avez écouté le, le podcast bilan qu'on a fait avec Sullivan Rouault euh, en fin d'année dernière ou de, au début de cette année, euh, qu'il y avait, euh, on en avait parlé un petit peu dans le podcast, donc, cette master édition euh, de Luck and Key. Alors, qu'est-ce que ça fait? Techniquement, c'est une édition qui était déjà sortie euh, lors de la précédente édition euh, chez euh, Milady. Euh, C'était en fait simplement une édition intégrale où euh, chaque tome reprenait deux tomes de la série principale. Donc, là elle va ressortir dans le format intégral donc pas cartonné pas soupe non plus donc c'est le format qui est utilisé actuellement pour les intégrales de Tortue Ninja et euh, Rick and Morty mais l'intérêt, en fait, euh, c'est surtout qu'il y aura un quatrième tome, euh, qui sera fait, qui est exclusif à la France, parce qu'en fait, cette édition-là, euh, enfin, ce quatrième tome n'existe pas aux États-Unis, qui va comprendre, donc, si euh, elle donc, le recueil de, de, de short stories, euh, aussi, ben, tout ce qui est l'âge d'or, le tome qui est sorti à part, et également quelques numéros épars, euh, qui n'avaient pas eu forcément de publication dédiée, notamment, ben, le, le one-shot Dog's Day, qui était sorti que pour le FCBD, qui avait jamais été, euh, réinséré dans des autres éditions. Donc, ce, à priori, c'est plus le tome 4 qui va vraiment être le plus intéressant pour celles et ceux qui seraient, euh, euh, passer à côté de Lock and Key qui ont déjà eu quand même bah, techniquement les six tomes de la réédition de comics ou l'omnibus pour découvrir la série et euh, peut-être que ce tome 4 là euh, intéressera quoi je pense que toi tu aimes toujours pas de toute façon Loki donc euh... non toujours pas mais ceci dit l'initiative est quand même plutôt cool Vois, Moi, ce qui m'intéresse plus dans son discours, c'est qui. Alors, je sais pas si c'est réalisable, euh, connaissant les les configurations euh, du du marché tel qu'elles sont, mais de dire qu'en fait que apparemment, bah, le format intégral ça fonctionne plutôt pas mal pour euh, ces ces tortues et avoir pour pour Rick and Morty, mais que euh, l'idée, ce serait de euh, de faire des des intégrales en fait de ces quelques séries indées euh, qui étaient en trois temps notamment, que ce soit Invisible Kingdom, euh, Bitter route euh, Invisible Republic peut-être aussi euh, <laughs> ce genre de choses là. Oui, comme ils avaient fait pour la trilogie Warren Ellis aussi vous avez pris trois tomes qu qui avaient était... été édités séparément chez Milady vous avez fait un gros bouquin qui ouais, était... Et qu était cartonné à l'époque du coup ouais, qui était un beau pavasse hein. ouais qui était ouais, ouais, non, mais bah, du coup ouais mais dans, dans ce format-là intégral qui donne un peu un, une autre gueule en fait bah, au ouais, bouquin quoi. Non, mais ça me ah, paraît être logique le, le, les éditeurs qui ont déjà euh, tablé sur des volumes séparés c'est comme je ne suis pas ah, justement, qui justement beaucoup d'intégrales de, 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 de séries classiques de chez Image et tout je pense que pour le public qui veut se mettre au comics c'est une offre qui est plus accessible et puis bah justement ce sera le problème ce sera la question d'accessibilité parce qu'on a vu quand même bah justement que c'est c'est un, une maison d'édition sur laquelle en fait il y a une politique tarifaire bah, qui euh qui est compliqué euh, le cas de, de *It's Lonely* euh, à 28 euros le cas de du dernier tome de *We Only Find Them When Dead* qui était euh, littéralement 7 euros de plus que le tome 1 donc euh, après avec des pour ça je des dynamiques de marché euh, à voir si effectivement si t'arrives à avoir les trois tomes de, euh, de *Bridger route en un truc qui est à 30 35 balles effectivement ce sera largement plus intéressant ouais, que bah, les trois bah, tomes bah, séparés bah, ça, ça c'est évident ouais ouais non mais il y a un récit et... complet il y a un début un milieu une fin oui puis il y a *Skyward* enfin voilà il y a quelques séries qui sont en trois tomes qui effectivement pourraient mériter de ça mais après c'est voilà c'est est-ce qu'elles ont vraiment euh, réussir à trouver un public qui pourra euh, suffisamment en parler pour que ça intéresse d'autres gens après tu vois c'est ça les... bah, com comment s'appelle euh... ce que Peter Wright oui, tu, tu l'as cité William Farnham effectivement par ouais. exemple on sait que c'est que c'est pas ça a pas trop été le cas bah ça a beaucoup marché sur le premier tome pas et après ça n'a pas suivi quoi en fait mmh. euh, les, les gens décrochaient, alors que c'est pourtant une série qui à mon sens euh, mérite euh, bah, surtout qu'elle ai est pour moi un peu assez anthologique quoi chaque tome a sa réalité et tout donc euh... mais bref peu importe après moi ça, ça m'irait dans l'absolu parce qu'effectivement je trouve que c'est il y a un intérêt à la concentration et, et au gros paquet, justement enfin comme on l'a vu oh non euh, comme on l'a vu je sais plus à quelle occasion c'était euh, il y a un débat sur Twitter où justement les mecs disaient mais pourquoi est-ce qu'en fait vous faites chier à faire des des albums séparés au lieu de sortir directement en intégral ah, et les mecs disaient justement non c'est l'album séparé qui finance l'intégral ensuite c'est aussi un laboratoire pour savoir si ça va avoir un intérêt si ça va en fait si on aura les comptes pour le justifier et euh, bah cette logique, elle existe sur le marché des albums depuis toujours. Enfin, les éditions de luxe de Run qui suivent les éditions, élu... enfin de Run, pas de Run de 619, de Run Marvel qui suivent les éditions 100%, euh, qui après sont collectées en omnibus ou en Absolute. Enfin, ça me paraît juste la mécanique naturelle et c'est bien que le marché indé arrive à suivre aussi ça parce que euh, faut se rappeler que les tomes isolés, après ils disparaissent de, du marché une fois qu'ils sont écoulés, enfin épuisés ou qu'ils sont plus disponibles. Euh, les séries deviennent de moins en moins accessibles et il y a des tirages qui sont qui restent pas très longtemps quoi. Donc euh, voilà. À voir en tout cas la Master Key, ça doit enfin la, la Master Edition de and Key, ça doit arriver euh, bah, cette année et à voir ben si euh, si c'est euh, peut-être intégral intégrales de, d'un des finiront par voir le jour ou euh, non. Euh, par contre chose qui est sûre d'arriver c'est au mois de mai prochain c'est un super album dont on va vous reparler qui s'appelle bird king de daniel friedman et Chrome donc une équipe artistique que vous aviez déjà pu retrouver si vous l'aviez acheté à l'époque sur riders qui était sorti dans la toute petite structure qui s'appelait les éditions du delph donc voilà c'est un petit bouquin en euh, broché. Bah, l'histoire est super euh, le prix par contre forcément était rédhibitoire hein. c'était 27 euros pour un truc en, en format assez petit et en souple donc euh, ça je peux comprendre que tout le monde ne pouvait pas passer, passer le cap mais en tout cas là ce serait une occasion de redécouvrir sinon cette équipe créative surtout qu'en plus en mai il y a aussi Cali de Daniel Friedman qui sort chez comics. donc vraiment euh, petite synergie créative on va dire donc euh, Bird King de Daniel Friedman et Chrome euh, un univers de Dark Fantasy sur lequel et là je suis désolé Corentin mais c'est dans le le euh, dossier de presse. Les auteurs expliquent que leurs deux influences revendiquées et affirmées sur ce, tu sur ce projet. Sur ce projet, je pas suis parce pas que... contre From Software. <laughs> c'est juste ça m'énerve que tu n'aies qu'une seule référence pour la Dark Fantasy, alors que c'est un genre qui est vraiment multiple. Mais non, je lis Berserk. Et bah voilà, je, je suis atteint de 28. <laughs> Berserk là. qui aurait peut-être influencé d'ailleurs. Mais bien sûr. Mais il y a des références à Berserk <laughs> dans tous les jeux de From Software depuis le début. Donc euh, voilà. bien sûr. Mais, t -t -t mais je, 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 ne, je ne nie pas la proximité qui est de toute façon assez évidente. Hein. Je veux dire, le design d'armure. Et les royaumes dans King, c'est quand même assez, euh, oui, oui. assez proche. Non mais voilà, qui dit qu'il a deux en fait, il a deux oh. Hayao en influence principale, Ayao Miyazaki pour les films de Ghibli qu'il a fait, et à Isetaka Miyazaki. Euh, oui non, il a deux Miyazaki, pardon, il a deux Miyazaki en référence, donc Hayao Miyazaki <laughs> et Hidetaka Miyazaki pour donc voilà, euh, qui, qui ne sont pas cousins contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Après, je crois que Miyazaki, j'imagine que c'est un nom relativement commun oui, au oui, Japon. Oui. Même Akira. Pourquoi je dis akira? Putain, c'est quoi toi Parce que, à cause un... de, d'ailleurs, c'est au nous a nous faisait la réflexion que sur notre dernier back to quand je te disais, je parlais de mon pull avec Oulun et euh, tout ça le pull dragon ball ouais, ouais. bah voilà bah c'est juste que c'est le pull le pull que je portais le jour où il est décédé quoi voilà c'est oh frère destin funeste non mais dit qui disait un respect à Akira Toriyama le plus grand mangaka de sa génération l'un des plus grands artistes de BD l'histoire du support et du médium et un mais genre, mais au-delà de ça tu vois on va faire on peut même se permettre une parenthèse que j'ai vraiment récemment ça m'a travaillé tout le week-end mais de me dire en fait parce que pourtant j'ai 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 plus lu ou relu dragon ball depuis pas mal d'années maintenant tu vois <laughs> euh, ou même de Akira Toriyama mais j'ai pensé à tout le cas en me disant mais bordel c'est en pas mal de témoignages de dire, c'est vrai qu'en fait cette œuvre, elle est tellement, euh, c'est un socle en fait, c'est un socle culturel, mais un, socle, un socle relationnel aussi parce qu'effectivement, je me rappelle, on parlait de Dragon Ball avec les copains, on changé les cartes à jouer que personne ne comprenait parce qu'on les, je sais pas où on se les achetait. Mmh. Tu sais, C'était des cartes à, que tu jetais comme ça, mais qui étaient en japonais, donc qui étaient fort chez... Alors il devait y avoir des règles de jeu, mais je me rappelle très bien. sur Skyblog Sky avec le Goku Super Saiyan 5. Et ou ouais, puis Blanc, moi genre, je me rappelle que j'avais, il avait sorti chez Glenna un, un guide du, du petit mangaka ou de l'apprenti mangaka. Ou en fait oui euh, mais je l'avais eu, ce truc là et que moi ouais, j'avais ouais. utilisé pour essayer de Tu avais Toriyama qui était dessiné avec son masque à gaz et ouais, ses pinces et tout ouais. et qui avait un assistant Ouais as oui et sauf qu'en fait euh, maintenant je sais que maintenant j'y repense aujourd'hui j'avais jamais compris c'était quoi les assistants dans son studio j'avais pas compris qu'ils bossaient ensemble tu sais qu'il y en a qui doivent s'occuper ouais, de qui font les, les contours et ouais, tout ouais c'est ça et enfin bref il y, y a trop de trucs et et c'est vrai que c'est euh, c'est pour tellement de monde en fait que ce soit bah par euh, la BD par le forcément le dessin animé pour la génération Club Dorothée, mais par les je jeux vidéo, vidéo oh, après je je aussi. Enfin, je veux dire, attends, mais il y a encore des influences qu'on retrouve aujourd'hui. Quand tu vois le combat dans dans man ben of steel. Alors qu'au départ, c'est vraiment parce que c'est Superman qui influence oui, Goku. Ensuite, oui, 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 Goku non. finit par influencer Superman, tu vois. Parce que Goku, on se rappelle, quand même, c'est un alien qui descend du ciel, qui est beaucoup trop fort, immortel, et euh, après, il se rappelle à ses origines mystiques quand les aliens sont sur Terre, comme dans Superman 2, tu vois. Après, après, il donc, est, est moins, il quand même, pareil, hein. voilà, il est, il est, il est moins bête, euh, Superman, que euh, Goku quand. <laughs> est oui, oui, non, que, mais Goku, a une assez, naïveté ça, qui est quand ça même, Ça, c'est à la manga, tu vois. Venir, ouais. Mais je veux dire, il y a quand même des petites proximités entre les deux. Et finalement, à la fin, quand tu vois une hostile de Snyder, euh, c'est du Budo Katenkaichi dans le texte. Oui, vois, oui, fin, oui, dans, dans l'image. Artistiquement. Ouais, dans sens, on l'avait dit, on l'avait dit. Le ouais. sentiment de puissance et, et le shonen Neketsu classique, c'est Dragon Ball, c'est tout. Et je enfin, respect aux fans Senseiya, j'aime beaucoup Senseiya aussi, mais il n'y a pas de manga qui t'a donné le même sentiment de virevoltance et tout. Et même la digestion culturelle que ça représente, je veux dire, c'est aussi un manga qui regardait vachement vers l'Occident. <coughs> L'Occident direct, parce qu'il y a beaucoup d'influence à la Chine. Dans Dragon Ball, je veux dire, c'est la pérégrination vers l'Ouest, c'est un texte bouddhiste au départ qui influence le texte. Ouais. C'est les chorégraphies de Jackie Chan, et après vers l'Ouest lointain, t'as des références à tu t'as des références à Terminator, t'as plein de références dans Dragon Ball qu'après tu comprends, tu digères en grandissant, et t'as la aussi évidemment, et qui sont vraiment formidables. Genre c'est un c'est un truc complet qui est, qui est merveilleux, qui est formidable. Moi je me suis lu les histoires courtes. Euh, du coup, il y a plein de petits mots que j'avais jamais qu a a du fait goût, pour du coup oui c'est ça mais en fait, il y a plein de trucs qui sont sortis chez Glenelg, ouais, que j'avais jamais capté. Du coup, j'ai fait bah j'ai Mais qu'il avait une imagination de fou, c'est pareil, j'ai vu un article où le mec te disait que c'était un fondu en fait de bagnole un peu comme chorographie de bagnole et de moto. C'est vrai, mais ça aussi, tu vois, sur le sur le tard, tu te rends compte, tu sais que on, on parlait du pull capsule corps que j'avais mais tout le concept des, oui, des, des capsules et de ce qui en sortait mais c'était un délire en Moi fait, le côté SM Dragon Ball, c'est ce que je préfère mais a un mec qui disait grosso modo, vous voyez cette illustration, est un Portugais qui conduit un pick-up. Il dit ce pick-up, il est basé sur un vrai modèle de pick-up qui n'est jamais sorti en fait. Donc il, il a dû voir dans un magazine de preview, et ça l'a fait rêver, donc il l'a dessiné. En fait, c'est vraiment des trucs d'automobile de, de taré et tout. Mais enfin voilà, du coup, euh, effectivement, on pourrait s'amuser à citer les nombreuses références à Dragon Ball qui existent dans la BD américaine aussi. Mais c'est pas notre place là, c'est plus aux fans de manga ou même aux fans en général de ce de ce faire leur deuil quoi simplement. Ouais, mais je, mais je me disais tu vois, est-ce qu'il y a un autre manga Non. Non, on est d'accord. Il n'y a non. pas d'autre manga qui a cette aura qui fait que vraiment. Bah que... Peut-être One Piece dans 20 ans, mais bah euh... je, pense, je Mais par exemple, One Piece a raté le virage des jeux vidéo. Il n'y a, a pas de carte One Piece. Enfin, peut-être que si, j'en sais rien. Mais One Piece c'est le manga le plus vendu. Mais je et sais, là, je mais sais le plus mais regardé, ouais, mais puis, mais pas... puis, et Le truc c'est que One Piece est sorti un peu plus tard à une heure où déjà bah, de façon de, de facto en fait Dragon Ball existait déjà. Donc en fait, il y a peut-être la. Mais peut-être que le fait que et Dragon a Ball était aussi. Hein. <laughs> je veux so... dire, Luffy si c'est pas un clone de Goku. Quoi. Ouais ouais. Non non, c'est pas ce que je, ce que je veux dire, euh, c'est que. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Le fait que Dragon Ball était publié dans une ère pré-internet, en fait, et que, en fait, ce qui nous a rassemblé vraiment, la seule façon qu'on avait de découvrir Dragon Ball, mais c'était en fait, c'était la télé qui était le, le canal de divertissement et de diffusion majeur En fait, à cette époque-là, on n'avait pas le streaming, on n'avait pas internet, on n'avait pas un autre accès euh, que ça, ou que les, que les VHS, et, et, et que tout le monde était euh, au même niveau à ce moment-là. Et en, en fait, et vu qu'on n'avait pas le moyen de communiquer euh, par internet tout ça, ça faisait qu'en fait, on l'a apprécié sur un temps long, vraiment très long, et que c'est ce socle de, de de longévité en fait qui a permis vraiment de tous de tous nous fédérer en tout cas à partir d'une ouais, certaine génération, et que ça a continué aussi parce que euh, ça, on le sait aujourd'hui aussi qu'il y a bon, ouais, euh... Euh, dans les communautés. Non, mais on va dire que dans les communautés fans d'animés et de mangas, je crois que la transmission a, a mieux fonctionné en tout cas que sur d'autres. Mais t'as qu'à voir quand, quand Dragon Ball Super sort. On est longtemps après GT qui était une déception pour beaucoup de gens. Euh, moi quand ça sort je me dis bon, c'est de la merde virus il m'intéresse pas les arcs sont mauvais etc donc euh, tu vois je suis devenu adulte je passe à autre chose et après je vois sur Twitter mais des gens qui commencent à m'en parler euh, mes collègues enfin mes collègues mes potes qui commencent à qui ont pas des lecteurs de comics ou de manga hein, eux, qui commencent à m'en parler ils me font ah t'as vu cet arc là avec euh, euh, je peux giner qu'est-ce que tu racontes là On me le super mais c'est nul je fais non non faut que t'ailles après l'arc 1 c'est vachement bien oui, c ce a dit aussi, ouais. et en fait pareil quand, quand... moi j'avais écrit une critique pour Neuvième Mar à l'époque de le combat contre Broly là, ah oui. <laughs> où je m'étais fait sou soulever par des trous du cul qui m'avaient dit que je connaissais pas Dragon Ball et je leur ai prouvé par plus vite que c'était faux. Euh, mais vraiment, c'est un truc qui est viscéral pour les pour les gens qui ont entre guillemets entre 15 et 25 ans aujourd'hui. C'est encore pour eux Dragon Ball, c'est de l'événement culturel, tu vois. C'est même c'est pas que à l'époque, tu vois. Encore aujourd'hui, c'est considéré comme une légende et quand ah, ils c font pour des ça nouvelles ça. séries, les gens sont au rendez-vous, les gens sont taquet, ils sont excités. Il y a un statut vraiment qui est unique euh, quand tu vois justement Céline je le disais, il tonnes de suite. Il y a eu des tonnes de continuation, de prolongation en 3D, pas en 3D. Euh, en vrai, à part les vieux fans, tout le monde s'en fout. Enfin, je, je c'est quand même, euh, regarde les oui. neuf que moi j'aime beaucoup. Euh, euh, Ghost in the Zechel. Il y a eu plein de suites à Ghost in the Shell. Mais en vrai, tu reviens toujours au premier film et au manga, tu vois. Parce que c'est différent. Dragon Ball, il y a un côté genre inépuisable. T'as pas envie que ça s'arrête, que ça s'arrête, tu vois. Même Toriyama, on dirait pas qu'il a envie que ça s'arrête parce qu'il s'arrête sur un combat des coups, et ils partent. Et c'est en mode, bon bah, on se revoit plus tard, les frérot tu vois. Et il y a un côté vraiment, genre, euh, c'est inépuisable, c'est infatigable, le héros est trop haut. Mais c'est, en fait, tu vois, quand on dit Superman, il est trop, il est trop lisse. Goku, personne lui fait ce reproche, tu vois. Mais parce qu'il est pas lisse, euh... parce qu'il est, qu est bête, tu vois. Enfin. Mais il est pas que bête. Il, il est, début, il est non, bon, mais... tu vois. Oui, non, mais début, euh, il est bête, Non, mais ouais. il, est il est naïf, en fait. Il y a sa naïveté, en fait. Oui. Euh, il y a cette, cette forme de, euh, de, ouais, de, de candeur. Mais c'est vrai qu'il est, qu'il est bon, qu'il est bon, en fait. Ouais, ça, c'est qu'il est, qu est d'une bonté aussi euh, ouais. infinie. Et puis le bestiaire, enfin, tout, tous les mmh. personnages, les créatures, les designs le côté SF, euh, le côté voyage dans le temps, le côté démon, enfin c'est tu peux le prendre par, par tellement d'aspects ouais, euh, ouais. euh, voilà. Moi bon, après j'avoue de super j'accroche pas parce que justement je pense que il faut en fait accepter d'être frustré et qu'une œuvre qu occulte s'arrête à un moment. donné. Ceci étant, je suis toujours étonné genre là il y avait le, le jeu vidéo euh, de Arc System Works euh. Ah, Dragon Hyper Dragon Ball Zen en enfin, ouais. fait, il y a un vrai jeu de combat qui est sorti en 2D classique euh, par les mecs qui font les guilty gear, etc. Et les Blazblue. Et en fait, le jeu, il est joué en compète, euh, Il est considéré comme le meilleur jeu de l'année où il est sorti en termes de jeu de combat et tout. Enfin, genre encore aujourd'hui, il y a une production qui est dingue pour un manga qui a 35 ans, 40 ans. Enfin, moi, moi, ça me rend fou. J'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'il a réussi l'équation magique, tu vois Parce que même aujourd'hui, on commence à voir un peu de poussière sur Superman, bon moins sur Batman. Mais ces trucs-là, les, les créateurs ils sont morts depuis très longtemps, tu vois. Alors que Toriyama, il était encore jeune, quoi. En plus, 68 ans. Un 68, c'est pas, ouais, pas très vieux, quoi. Et quand tu penses, justement, après, ça fait apparaître un débat, là, justement, sur la longévité des mangaka. Est-ce qu'on leur demande de produire euh, au rythme où on leur demande Ouais, de mais, de produire mais, mais le truc, c'est que, après, je, 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 je suivais plus du tout ce que faisait Akira. Est-ce qu'il bossait encore beaucoup Parce que, techniquement, en, en tant que mangaka, il avait arrêté depuis longtemps, tu vois. Je dire, ah, pas depuis longtemps. Enfin, mangaka régulier, mais genre, il avait fait. Euh... Jacob mais The mais Galaxy Patrolman, je... qui était un truc qui était relativement récent, mais qui est un peu le préquel de Dragon Ball Super. ce Ball que Ball je veux Super dire, c'est que par rapport à, à Mura, il n'était pas encore au travail activement sur une série publiée oui, non, de il façon plus, très régulière. C'était Toyotaro qui fait les mangas Dragon Ball Super, qui sont sympathiques d'ailleurs. Euh, mais par contre, je crois qu'il écrivait encore les dialogues. Ah ouais, D'accord. Okay. Parce qu'il y a des arcs qui font ouais. vraiment très Toriyama. Il y en a un avec un, un personnage qui absorbe les pouvoirs des autres. Et quand, quand le combat se finit, je vous spoil rien, mais quand le combat se finit, t'as as vraiment une scène ultra Toriyama où Goku il s'arrête, il, il, il veut pas lui casser la gueule, il fait mais pourquoi tu t'entraînes pas en fait Pourquoi tu pourquoi es méchant et tout Et vraiment, tu dis ça et tu as une sorte de ⁇ Oh, mon dieu Goku il est magique, c'est incroyable <laughs> !⁇ Enfin bref, du coup là on, on, très, très on, très on est part, complètement Bird King. <laughs> ouais, Désolé, Daniel voilà. Friedman et Chrome. <laughs> Est-ce que tu peux un peu nous présenter juste Bird King euh, Bah Burst King c'est... Alors effectivement c'est un monde de fantasy, euh, un peu dans la veine mignolesse on va dire... Euh dans le sens où il y a beaucoup de paysages silencieux, beaucoup de décors un peu de châteaux en ruine avec des armures, etc. C'est l'histoire, je t'en dans mon souvenir, d'une fille de forgeron qui, pour sauver un peu son royaume, va devoir aller chercher un guerrier légendaire et se faire accompagner par l'esprit du Bird King, du coup pour mener différentes aventures enfin c'est une sorte d'armée noire euh, qui marche vers la, vers la contrée c'est super mignon euh, c'est vraiment il y a un souffle il y a un cœur. graphiquement c'est exceptionnel parce que c'est de la dark fantasy mais avec des couleurs vives ouais. euh, bah, c'est ce qui les... change tout en voilà. fait euh, voilà effectivement d'où le côté Hayao Miyazaki euh, c'est vraiment une super oeuvre pour tout public tout de petits et grands. c'est des designs vraiment géniaux il y a des vraies différences de structure corporelles et tout c'est une, une utilisation des, des ombres à la mignola du coup c'est pour ça que je vous ai la référence et franchement non non c'est c'est vraiment de la bonne BD on en a déjà parlé à plusieurs reprises déjà mais on en parlera probablement plus longuement dans un, un back VF euh, avec ou sans la référence à Dark Souls ça se lit très bien vous n'êtes pas obligé d'être fan de Dark Souls pour lire ce genre de bouquin, Moi, ah, je reste à plein d'autres gens. De toute façon, vous n'avez qu'à voir la couverture. Hein. J'ai fait un article sur euh, comicsblog.fr, puis la couverture, enfin, euh, euh, claque quoi. Avec ouais, le, bah, okay. euh, Pareil, très mignon hein. là. Ouais, 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 <laughs> non, mais c'est ça. Mais franchement, ça, ça l'air absolument. Il ch... faudra voir le, le format. J'espère qu'ils le feront dans un dans un joli format chez aux humanoïdes associés. Mais en tout cas, voilà, c'est prévu pour le 15 mai 2024 pour 19,95 quoi. Et euh, ouais, on vous en reparlera. Mais euh, clairement, un ouvrage sur lequel vous aurez tort euh, de passer à côté, même si c'est pas chez Marvel. Et justement, oh oh, euh, puisqu'on parle de Marvel, parce que tort. Se prononce comme Thor. Oui, c'est ça. Le héros. Oui. Et, Et, Et il est chez Marvel, C'est drôle. C'est le dieu. C'est du... le dieu du tonnerre. <laughs> Et moi j'aime faire les blagues euh, comme yeah, ça. SOS euh, de qualité. Et toujours. <laughs> tu prends euh, l'accent corse. L'accent corse, c'est toujours. Hein. Ouais. Je te le dis. C'est ça que c'est de qualité blague, tes blagues là. Là, elles sont très continue, bien. continue allez. <laughs> j'avais, j'avais t'en faire d'autres. T'inquiète pas. <laughs> euh, Qu'est-ce que je veux dire C'était dans euh, Edmond la pièce de théâtre de Michalik, où t'as deux. Euh, je sais plus. Si C'était deux un peu. C'est pas des mafieux, parce que ça existait pas à l'époque. Mais en gros, deux comme ça qui ont l'accent corse, qui sont un qui était incroyable, <laughs> incroyable. Donc je vous, je vous recommande. Je crois qu'elle joue toujours cette pièce si vous avez l'occasion un jour de la voir c'est exceptionnel bref chez Panini Comics. il a été fait au cinéma oui il a été adapté au cinéma j'ai pas vu le film il parle d'un mec qui veut monter de c'est c'est l'histoire de alors putain je vais plus avoir son nom maintenant le mec oui c'est ça oui c'est ça voilà c'est l'histoire de l'écriture de Cyrano de Bergerac et c'est incroyable en termes de mise en scène et tout. c'est un truc de fou moi ça faisait littéralement je sais pas 20 ans que je n'étais pas au théâtre c'était ma mère qui m'a qui qui m'y avait emmené presque un peu de force tu sais et euh, l'épiphanie du truc, quoi. Vraiment, c'était trop fort. Trop, okay. vraiment, je, je, je note. Et depuis. Mon de Cyrano. Je me suis, je me suis remis parfois à, à aller voir des pièces de théâtre. Et euh, franchement, il y a des choses qui sont incroyables dans ce milieu-là également. Mais quitte à faire des parenthèses sur la littérature non, on de cette fait période, que ça, quoi. <laughs> la bonne annonce de du comte de Monte Cristo. Éclaté. Éclaté, oui. Éclatos. Oui. Ouais, <laughs> je suis pas un hater des deux premiers, mais franchement, là, c'est de la merde. Et je trouve voilà. qu'il y a un miscasse total, en plus. Oui, dans... mais clairement. Enfin... Dans, dans, les... dans les rôles, quoi. Je vois clairement. pas du tout, euh, bah, Pierre Ninet là-dedans, et, euh... Laurent Lafitte non plus. Enfin, je sais pas. Ouais, il pas du tout Laurent Lafitte aurait fait dit. un meilleur, en fait, pour moi, et euh... bah, voilà. Cristo, il s'appelle comment, déjà? Monte Cristo. Voilà. Il aurait fait un meilleur, euh... <laughs> Monte Cristo. C'est pas Dantes, là? A... Et de mon Dantes. Tout à fait. Putain. Bien joué. Les a sauver. encore rien de tu vois ouais, ils sont partout mais ce que je voulais dire quand j'avais fait la blague sur marvel c'était euh, sur Thor, c'était parce qu'on parlait de panini comics qui est en fait bon il euh, n'y aura <laughs> pas de collection à petit prix ponctuelle comme il y en avait euh, à, à ces dernières années puisqu'il y aura le format poche qui va remplacer donc la, la collection marvel pocket euh, s'il garde ce titre mais par contre il y aura quand même une collection à petit prix mais format poche qui va sortir cet été pour accompagner la sortie de deadpool évidemment puisque bah, c'est deadpool qui arrive au cinéma a priori ça risque quand même d'être un gros succès euh, parce que Deadpool est populaire au-delà et que les gens vont y aller un peu comme pour Venom, euh, au-delà de la qualité du film, mais parce que. Et puis Wolverine aussi. Hein. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a Wolverine dedans, euh, clairement. En plus, c'est Hugh Jackman qui refait Wolverine dedans, c'est quand même pas. Voilà, c'était pas, c'était pas si c'était Jean-Jacques de la Conta qui faisait Wolverine, ce serait quand même autre chose. Euh, <rire> <rire> mais surtout. <laughs> Jean Salut Jean-Jacques. <laughs> <laughs> Je Salut Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques. Et donc ils ont annoncé en fait une collection euh, qui s'appelle Deadpool vs. Euh, et qui reprend bah, des, euh, en fait, pas mal de mini-séries, mine de rien, euh, complètes. Donc ça, je trouve ça plutôt bien dans, dans le choix des, euh, des numéros qu'ils qu ont fait. Et ce sera dans une collection avec 9, 9 bouquins dedans, euh, et euh, mais en format à poche aussi. Ce sera la même dimension que le format Marvel Pocket. Donc en gros, et vu la pagination, vu qu'on est sur de la pagination de 128 pages, 100, 144, 100, ouais, 100, je crois que c'est 96 à 122 pages, un truc comme ça, euh, en gros, ça va ressembler au Marvel Verse, tout simplement donc euh, Et ce sera vendu à 4,99, un truc comme ça, je crois. Donc, euh, vraiment, euh, vraiment. Ah je, oui, oui. Tu vois, c'est un, okay. un tout petit truc, quoi. Euh, du, alors, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Après, moi, je suis pas, je suis vraiment pas le plus grand fan de Deadpool non plus. Bah, ouais, pareil, là, du coup, j'aurais du mal à vous dire qu'est-ce qui est important de lire dans cette collection. Bah, par exemple, là, bah, je peux te le faire et tu, tu vas me dire est ce que tu penses. En plus, moi, je n'ai pas tout lu. Hein, je, je plaide coupable. C'est y a que j'ai lu, moi. Deadpool versus Absolute Carnage, <laughs> de Franck Thierry et Marcelo Ferra. Euh, bah, mais... d'équipe créative, j'aurais envie de te répondre non, pour le coup. mais ouais. <laughs> Deadpool versus Black Panther. Ça, j'avais commencé. Eh ben c'était pas ouf. De Daniel Kibble Smith et Ricardo Lopez-Ortiz. Au moins, c'est joli parce que Lopez-Ortiz, il est, il est plutôt bon au dessin. Mais ce qui est bien, tu vois, c'est que là, c'est les cinq numéros, c'est toute la mini-série qui est comprise ouais. dedans. Donc, euh, par rapport à l'offre, tarifaire C'est imbattable. Euh, Deadpool vs Carnage de Cullen Bunn, Kim Jacinto et Mike Anderson. Ça, j'ai pas du tout lu. Je suis désolé, vraiment, euh, amis auditeurs, auditrices. Euh, je ne vous suis d'aucune aide aujourd'hui. Deadpool vs Gambit de Ben Acker et Danilo Beirut. Danilo Beirut il est bien Oui ça c'est un bon un bon dessinateur <laughs> ce truc euh, <laughs> non celui qui sera le plus intéressant par contre c'est peut-être le Deadpool versus Hawkeye oui, ça, euh, ça, de, ça, bien, ça. de Jerry Duggan et Matteo Lolli ouais ça c'était bien qui reprend en plus pas mal les codes du Hawkeye de ouais, ça, il y ouais des bonnes idées de découpage dans cette euh, ouais celui-là ce sera sûrement celui qu'on vous recommandera le plus il y a Deadpool versus Oldman Logan de Declan Shalvey et Mike Anderson ah l'idée euh, c'est une bonne équipe créative là encore Anderson euh, de qualité Declan Shalvey c'est un bon scénariste aussi euh, ce sera peut-être l'occasion de, ra de rattraper un peu tout ça Arnaud j'ai envie de dire. Ben ouais, on pourrait fait. faire comme on, fait avant, comme on faisait avant, c'est tu sais, un gros article avec tout. Euh, ah oui que vaut la site, collection, machin. Vois, ouais. Non, non, l'a qu'on l'avait pas fait l'année dernière, euh, parce qu'on avait trop. <laughs> Deadpool versus Punisher de Fred Van Lente. Ah, et oui ça je l'ai lu ça. Pera Perez. Ça va. Ça va. Pas... En fait les héros se répondent mal mais c'est assez violent, donc euh... c'est ce qu'on aime aussi. Hein. Deadpool versus Thanos de Tim silet et Elmo Bondock. Oh J'avais oublié que ça avait existé ça. Euh, sans opinion. Et enfin Deadpool Deadpool versus X-Force de Dwan Szysinski Chirz et PP Laraze. Ah bah c'est ton pote Oui, le mec qui a fait les bloodshot. Yes. Et donc t es, t es, <laughs> ça te donne envie Ah bah ça me donne envie la, Raz, il est bien quand même. Sur la base de l'équipe créative là aussi pareil, je suis je suis plutôt chaud non, c'est vrai pour le coup, c'est vrai que vu vrai que qu il a le droit à des bons dessinateurs quand même quand on fait la liste là, le, le, le petit Deadpool. Ouais. <laughs> bah du bah du coup, ce sera l'occasion de revenir dessus cet été en tout cas. Ça arrive. Très bien. Bah pourquoi pas, c'est vrai que c'est pas cher. Il y a des bons dessinateurs, effectivement, ça peut faire un truc sympa à proposer euh, au grand public s'il veut lire du Deadpool en complément du film. Oui, bah là ils auront clairement, euh, clairement... D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en fait ça, ils rééditent le, leur volume de Deadpool versus Wolverine en, en deluxe qui comprend plusieurs histoires séparées mais je me suis dit que c'était quand même dommage de pas avoir fait quand même au moins un des trois avec un, un Deadpool versus Wolverine de Dorothy parce que c'est euh, littéralement vrai. le titre du film quoi, quasiment enfin presque. Ah, euh, peut-être qu'ils les feront dans un autre format. Bah, comme dit, il y a un deluxe qui sort. Donc, voilà, du qui... coup, bah <laughs> on se cannibalise qui... pas. Ouais, mais qui est six fois <laughs> plus cher quoi. Bah ben oui, bon, ça cannibalise pas. <laughs> ouais. <laughs> euh, bah, on en a terminé pour la partie VF pour l'instant. Il est pas si con Jean-Jacques Delaconta <laughs> C'est ça. Euh, donc on est du côté des comics VO. Corentin, euh, une petite une petite news en mode zizi tout dur euh, puisque Grant Morrison et Frank Whiteley euh, pourraient euh, retravailler ensemble en comics. <rire> <rire> Pourquoi as systématiquement une érection Pourquoi est ce que c'est ce qui dit ça Ça c'est le genre de nouvelles qui donne des érections quand même. Alors il faut voir parce que euh, Grant Morrison malheureusement. Bon, c'est un truc qui, qui mériterait du coup un approfondissement ultérieur, mais on a eu vent récemment du fait que Andrea euh, Sorrentino a peut-être utilisé des de de art, des des prompt, en fait, euh, des images générées par par intelligence artificielle pour des comics. Euh, moi, j'avoue que je commence en fait sérieusement à péter un peu un câble avec ça parce que ok, le progrès est inarrêtable et il faut se faire réaliser que l'IA va faire partie de notre quotidien et quoi il faut la réguler, l'accompagner, et pas la rejeter en bloc. Oui, mais attends, parce qu'on reparlera sûrement de Sorrentino, euh, Sorrentino dans dix jours. Hein. Okay. <laughs> Tout à fait. Euh, mais là, dans l'idée, voilà, grosso modo, pourquoi est-ce que je fais cette précision-là, c'est que moi, personnellement, je suis fondamentalement contre dans la bande dessinée. Pour moi, les gens qui travaillent dans la bande dessinée devraient faire acte de, de, de solidarité générale en se disant les IA qui font de l'image, les IA génératifs d'images, Midjourney, Dali, prennent euh, des bases de données qui sont celles de Google en fait et euh, en fait train avec des images qui ne leur appartiennent pas donc c'est du vol et c'est un putain de scandale de base. Or justement, Grant Morrison s'est mis slash mise récemment à faire aussi des prompts euh, via sa page web, euh, enfin son son euh, qui s'appelle Xanadum <coughs> et On voit beaucoup de cartes postales en fait de réalité parallèle que Yel a produit sur prompt. J'avoue que moi ça m'a un peu refroidi. J'étais prêt à m'abonner au départ pour euh, ces comics avec Liam Sharp là. Mais euh, très honnêtement, pas spécialement envie. Et vu qu'aucun éditeur va se positionner dessus, euh, je veux pas rejeter en bloc Grant Morrison, qui est une personne qui a toujours été dans, dans différents mondes alternatifs, on va dire. Évidemment, de son point de vue, qui n'est pas un dessinateur et dessinatrice, euh, c'est forcément intéressant. Mais du coup, ça m'a un peu refroidi. Ceci étant, Frank Whitley, lui, ne dessine pas en IA. Euh, ça reste un mec qui est extrêmement rare, qui depuis six ans maintenant ne fait quasiment plus de comics. Il en fait un par-ci par-là, généralement, c'est pour un numéro, une couverture pour faire plaisir, rendre hommage aux, aux héritiers, ou au travail avec Mark Millar, parce qu'il n'y a plus, il y a vraiment plus que Mark Millar qui lui donne envie de bosser, et Grant Morrison. Et là, en fait, ce qu'on a vu, c'est sur la page Substack en question, dont je parlais, euh, Guessumac, surdose de contexte, une super page Substack, si vous voulez retrouver des détails, annotations et guides de lecture d'anciens comics de Grant Morrison. Mais donc, il a posté en fait euh, un extrait de de scénario, de, de texte, de synopsis, de script où on voit en fait qu'un personnage a reçu une lettre de Tesla euh, et il a été admis à quelque chose. Et derrière, on voit donc des croquis préparatoires, soit par Morrison, soit par Quakely. C'est vraiment des croquis, hein, c'est vraiment genre, c'est pas des dessins, c'est des, des petits bu 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 bouillages. Euh, et il annonce du coup le retour Morrison-Quakely, quelque part dans l'année. Et il veut pas dire de quoi il s'agit, il veut pas dire de de quand est-ce qu'on parle euh, Il va pas dire non plus s'il compte le publier ou est-ce qu'il compte le faire sur, sur Substack. Moi j'avoue que ça me ferait un peu chier parce qu'on a très peu de Quietly modernes. Euh, ce serait bien de pouvoir acheter ces BD, les entreposer dans sa bibliothèque Après même si ça sort sur Substack au départ, il y aura forcément un temps en, euh, ensuite. Ce sera juste plus long. Ouais, 3W3M, euh, à part pour les Happy Few. Euh, non mais attends, c'est publié aux États-Unis. Oui, c'est publié aux États-Unis, mais cet album-là est publié aux États-Unis. Hein oui, bah, cet album-là, il est publié par qui aux États-Unis? Alors, il l'auto-imprime, j'imagine. Oui, bah, voilà, c'est ça. Enfin, je sais pas, donnez-moi. C'est la, la, la diffusion. Moi, quand j'avais regardé pour euh, Systems, elle était limitée aux euh, mecs qui prenaient l'abonnement annuel euh, dans la limite des stocks disponibles et réservée aux mecs qui prenaient l'abonnement premium qui était à 500 balles quoi. Enfin... Oui oui non non alors parce que en fait moi j'ai pu le récupérer un parce que j'ai vu euh, le voilà, Jonathan ça. Nickman à sa table à la euh, à ce que je pour les comic voilà bah, non, non bah qui sont plus nombreux aux États-Unis parce que le proposent en fait sur toutes les conventions où il va. mais effectivement c'est une distribution qui est euh, très limitée pour nous en tout cas en, en France ouais. euh, voilà c'est Et impossible. puis à la limite 3W3M il y a un côté un peu euh, world building system thématique, c'est-à-dire que tu vis avec ton univers qui construit ah ouais. à chaque jour, qui passe, et la contribution de, des fans et, et des tipeurs, enfin, des tipeurs, des substackers, des backers, a une vraie influence sur l'évolution, sur les choix qui sont proposés et tout. Oui, il ouais, est signé, il est magnifique, ton album, mais c'est peut-être en, en prendre un, quand même, hein, c'est quand même dingue, <laughs> euh, mais en, en comparaison, si on prend l'histoire de, qu'a réalisé Quietly avec, euh, avec Liam Sharp, euh, putain, Morrison avec Liam Sharp, pour ses Presents, là, c'est une espèce de récit biblique, c'est un truc qui pourrait en fait très bien tenir dans une BD. Il n'y a pas du tout ce côté livre monde. Euh, nan, nan, nan. Et puis enfin il faut se poser la question genre euh, c'est quoi la pérennité s'il y a pas un contrat d'édition à la clé en fait. Si si demain Substack ferme ou Substack euh, n'a pas spécialement envie de se lancer dans, dans le marché de l'édition, ces BD-là elles seront accessibles que aux gens qui ont envie de les lire sur un écran. Et vous savez que moi ça me dérange pas au demeurant, je suis lecteur numérique mais euh, je suis désolé c'est Frank Whiteley <laughs> c'est Frank Whiteley et c'est Grant Morrison c'est deux de mes artistes préférés de l'histoire des comics c'est comme tu dis Zizi tout dur machin pourquoi parce qu'ensemble c'est We Three euh, c'est All Star Superman c'est Justice League l'autre terre enfin c'est des, des, des tonnes de comics qui sont juste euh, à foutre dans les bouquins d'histoire de la bande dessinée américaine donc euh, ouais euh, s'il te plaît euh, Grant si tu m'écoutes mon slash ma pote euh, les IA je pardonne pas de soucis juste tu me fais une BD Physique, papier, et on sera bien tous les deux. <laughs> Entre autres nouvelles. je suis désolé, on a, on a vraiment zéro détail sur l'intrigue, que hein, je peux pas. Oh, oui, non, mais pour ça, ça c'est juste un effet d'annonce, mais c'est important de le souligner pour dire ça existe. En tout cas, il y a voilà, et comme ça, on aura ce suivi au, au long terme quand ça sera annoncé officiellement, on pourra dire. Souvenez-vous, en mars 2024, on vous en avait parlé dans le post. Ça si vieux que ça Je sais pas. Hein, peut-être. je pense qu'ils vont éditer le en quelle année exactement Je sais, je 2048. Mon Dieu. Non, peut-être que je Je m'en souviens. Oui, c'est ça. <laughs> <laughs> non, en fait, Arnaud veut candidater pour Froboyard. Voilà, c'est pour ça qu'il s'en Mais trainent, ça, ça, oui, va... et ça, par contre, je, je pourrais <laughs> le faire depuis des années parce que c'est oui. ma, littéralement, ma meilleure imitation ever, euh, celle du, du Père Fouras. Donc, euh, je pourrais te faire toute une. Je continue le podcast en Père Fouras si tu veux. Si tu me dis de le faire, je le fais. Je te. Je... Dis-le. Je ne cherchais pas de le faire Allez, dis-le. José, non, je sais que tu as envie de me demander. Qu'est-ce que tu Qu que... Qu que as déjà essayé Je, de je imiter, peux te le fait. faire. Je peux te le faire, Corentin. Il faut juste non, que non, tu le dises. je ne pas. Il faut juste non, que tu me demandes. Non, non ma réponse non. est non. Allez, La ma réponse pas. est non. Enchaîne, putain. <laughs> c'est chiant. Je refuse ton refus. Mais c'est vrai que tu fais pas beaucoup d'imitations, toi. Bah maintenant, c'est pas ma carte. Je suis pas Laurent Il merci. Malade, lui. Alors moi, je fais des imitations des fois. Ah bon Ouais. Je peux te faire une récompensation. Oui, je peux. quand on se fait c'est terminé. Je peux, je peux. Je peux te faire Kevin Feige aussi. Je, je ah fais oui, c'est vrai. Oui, oui. ah oui. Franck Miller aussi. <laughs> ouais, je peux te faire le, le, le vieux pirate et le vieux texan qui ont le même accent pour moi. Exactement. <laughs> <Je fais ça>. <rire> Bref. <rire> du bon, côté de Skybound, euh, on continue les partenariats avec Universal Pictures pour la gamme de Comics Universal Monsters. Euh, donc, il y a la créature, le retour de la créature du Lagon Noir, du Lac Noir euh, ce printemps. Euh, mais euh, cet été, euh, on aura Frankenstein qui sera de retour. Avec, euh, alors je crois que ça s'appelle simplement euh, Frankenstein, voilà. Voilà. Et c'est écrit et illustré par Michael Walsh. Comme Dracula, s'appelait Dracula. Ah oui. Euh, et donc c'est écrit et illustré par Michael Walsh, qui est qui qu'est-ce qu'il a fait, Michael Walsh Il a fait Silver Coin, Michael tout, Walsh. Tout à fait. Donc autre chose, ce projet d'anthologie sur lequel il était euh, artiste mais pour euh, 12 scénaristes euh, différents. Euh, le troisième tome devrait arriver cette année d'ailleurs chez men Nemini histoire de compléter euh, la série. Euh, donc, il va... En fait, le, le concept, c'est euh, quatre numéros. Euh, et en fait, il va raconter... Donc, puisque vous connaissez vite, vite fait l'histoire de Frankenstein, en fait, Frankenstein, c'est le docteur. <laughs> euh, et il a construit... Non, c'est quoi l'histoire de Frankenstein, Arnaud Vite, dis-nous. <laughs> non, mais les gens, les gens savent, je pense. Euh, bah, je sais pas. Vas-y, bon, dis-nous. Non, mais c'est juste que c'est un... Euh, dans les très très grandes lignes, donc c'est inspiré d'un roman de de Mary Shelley et qui montre en fait le, le docteur Frankenstein qui construit en fait qui, qui se passionne pour la vie en tant que telle et qui va construire en fait une créature qui est faite à assembler de différents morceaux de corps humains qui va aller bah, chercher sur des cadavres qui déterrent et qui va ré 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 remettre à la vie grâce au pouvoir de l'électricité euh, et en fait Tout nous à fait. on s'intéresse justement à l'histoire derrière chacune euh, chacune des parties en fait du corps qui vont constituer la, la créature genre dans le premier numéro dans, on, on te dit que le pitch en fait il va chercher des bras musculeux donc il va les prendre en fait sur le cadavre d'un ancien agent policier d'un agent de police sauf que ben, l'agent en question avait un fils qui est toujours en vie et ils vont se rencontrer et donc voilà c en fait c'est l'histoire derrière chacune des euh, body parts des êtres humains qui a permis la constitution voilà. du corps de Frankenstein de la créature voilà. de Frankenstein donc euh, vraiment concept concept plutôt cool et donc c'est vraiment dans la continuité du film de James Whale de 1931, euh, puisque c'est vraiment ce Frankenstein là dont, dont il sera question. C'est de... ça. Now I know what it feels like to be god, etc. Super film. Avec Basil, Carlo, qui, euh... <laughs> Basil Carlo Non, non avec, avec Boris Karloff. <laughs> dans le rôle titre exceptionnel dont le nom a, a, oui, a inspiré celui de Basil Carlotti voilà, qui... parce que Cleface était acteur lui aussi. Voilà, tout... non, c'était pour faire le, le lien. Euh, non, je suis chaud quoi. Euh, bah pour ouais, pour que... le conseil, le conseil me rappelle vachement le James Bond The Body de Alec Scott euh, qui aussi s'intéressait à raconter une histoire derrière une blessure de de James Absolument. Bond. Euh, sorti, très bon comics sorti chez Delcourt toujours disponible j'espère bien violent et, euh, et ben bah voilà enfin le concept me rappelle un peu ça Michael Walsh il est très bon au dessin et dans l'horreur bah, il l'a déjà démontré de toute façon donc euh, ouais je suis, je suis saucé là, il est bon au dessin il est bon dans l'horreur il est bon dans le format anthologique et là ça sera visiblement la, la direction qui est adoptée t'as vu comment il s'est fait oui j'ai vu comment le, le chat a sursauté <laughs> donc oui c'est plutôt une bonne chose et effectivement on voit bien en fait comment euh, Image Comics va prendre, en fait, les, on va dire un peu les Rostas modernes, les, les grands noms du, du, du dessin et du scénario moderne. Euh, on a quand même eu ramener euh, James Tynion Ford, euh, Martin Simmons et maintenant Christian Ward. On peut très bien imaginer, genre, des Toulalotais dans le futur ou, ou des Jokes ou des, des Christian Ward éventuellement. D'ici un avenir incertain. T'as dit deux fois Christian Ward. J'ai euh, dit deux fois. Bah, j'aime beaucoup Christian Ward. Euh, Michael Walsh, là, dans la première. Michael Walsh, pardon, tout à fait. Euh, Bon, c'est plutôt une bonne chose. Après, moi, personnellement, j'ai pas encore lu notre créature du lac noir. Ben, c'est pas encore sorti. Euh, oui, hein. ben, je sais bien. Mais j'ai encore une fois, moi, ben, je répète, le but, c'est peut-être aussi de comprendre pourquoi ces monstres-là sont des figures qui ont aussi migré vers enfin, d'autres formes de fiction. Euh, J'espère que Universal laisse bien travailler tranquillement Skybound, et ça a l'air d'être le cas. Et qu'on aura éventuellement d'autres essais de style dans l'avenir si ça a bien à se, à se prolonger. Parce que oui, c'est bien le coup de, des, des parties du corps, c'est bien ce truc-là, etc. Mais on a quand même beaucoup vu Frankenstein, il y a peut-être d'autres trucs à raconter avec. Limite justement, s'ils veulent faire des euh, un peu comme les Spirou vus par euh, machin, etc., reprendre certains des mêmes personnages qui ont déjà été traités pour les filer à une autre équipe créative qui aura un truc différent à raconter, ça pourrait être intéressant. Tu vois, là pour le coup, j'espère que ça va pas être le seul Dracula, par exemple. Parce que même s'il est de bonne qualité... Il y a d'autres trucs à faire avec Dracula que ce qu'on a proposé, Taïon Fort, un peu en flémardant à mon sens. Donc voilà, c'est juste ça. Mais sinon, après, super collection, super super partenariat, pardon. Ça fait des sous pour Yorkman, ça fait des sous pour les artistes qui sont embauchés sous contrat. Euh, on est content. On Et aime bien. bien les comics d'horreur en plus. Oui. Vrai vraie seconde jeunesse pour les comics d'horreur, les années 2020 d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais, puis avec, tu sais, ici comics qui revient, tout ça, il y aura quand même pas mal de choses, euh, de choses là dans ce sens-là. Donc non, c'est très très cool. On vous rappelle que Red Room, euh, de Ed Peace Corps, toujours à découvrir aussi. Euh, ouais. La ouais, logique Rip Show aussi, qui était sympa avec les ouais. deux volumes, euh, les Skyborne After School Special, le magazine de. Euh Razorblades, je crois que c'était. Razorblades, ouais. C'était Razor ouais. euh, Silly Non, c'est pas Silly Non, c'était James. C'était Tanyan aussi, voilà. Ouais. voilà Tanyan qui est toujours aussi fort. World Tree. Lisez World Tree, c'est super bien. Euh, lisez tout ce que fait Crave aussi, euh, qui, est, encore, qui est terminé là d'ailleurs, je sais même plus. De Maria Yobet Ouais, ouais, ouais. Super je, bien. Je crois que c'est en train de se terminer si ça ne voilà, l'est pas déjà. Le Rerotique est revenu en 2024, enfin 2023, 2022. C'est trop bien. On vit quand même, si on aime bien se faire peur. On vit des temps merveilleux. Bah, en plus, euh, érotique, fantastique, somnant, il faut que tu... Tout check. à fait, bien trop... sûr. C'est incroyable là-dessus. Euh, donc, euh, bah, pas du tout dans, ma... dans ce même registre, on a un titre qui est annoncé par Sean Lewis, qu'on aime bien aussi, c'est un auteur qu'on aime bien, qui s'appelle Bear Pirate Viking Queen. Bah, il est possible que ce soit, de... enfin, qu'il y ait une parabole sur un truc plus surréaliste ou plus horrifique, mais bon, dans l'absolu, c'est compliqué de... de démêler le scénario. Parce qu'il n'a pas été annoncé. <laughs> euh, on nous parle, alors le titre euh, pourrait faire penser à une sorte de Kobo Ninja Viking ou, ou à un comics débile dans l'Ouest, ou à Cocaïne Bear, Coca Coca pardon. C'est pas du tout ça. Si on suit première planche, en fait, c'est a priori une BD qui va plutôt parler de récits militaires, de récits de conquête, du berceau des États-Unis, euh, et en fait de comment les guerres maritimes et probablement le massacre des Amérindiens. A pu permettre à de grandes nations d'émerger, d'apparaître euh, à l'aune de ce qu'on qualifie comme l'ère moderne. Puisque là, on voit clairement des références à Napoléon. Alors, évidemment, hein, ça fait ça faisait beaucoup plus longtemps que les États-Unis ont, ont été découvertes. Mais les guerres napoléoniennes, c'est le début du, du 19e siècle. On voit des images, justement, où on voit des, des capitaines, enfin, une capitaine britannique, on va dire, qui combattrait Napoléon sur les mers. On voit un ours et, alors à moins d'un pépin parce que l'ours c'est aussi l'avatar de la Russie, hein. mais on peut imaginer que c'est au grand nord parce qu'on nous parle de désert de, enneigés etc. Ouais, moi je pense que c'est littéral, hein, qu'il y aura vraiment un ours dedans. Oui oui, probablement. C'est oui. pas métaphorique. Parce qu'il est sur la couverture en plus. En donc. plus oui, c'est ça. Non mais <laughs> donc voilà. C'est pas d'ours de toute façon. Moi j'y vais. Enfin euh, si on me vend le comics. Il y aura même des ours. Sur, sur, techniquement je veux dire, c'est Bear Pirate Viking Queen. Donc moi, je, je suis un lecteur normal. Tu, ouais. vois, tu dis que c'est un je... ours pirate qui est aussi un Viking <laughs> et qui la voilà, de est la reine. Pas... Si j'ouvre ce numéro et que dedans il y a pas un il a pas des pirates, il n'y a pas de Viking, il y a pas une reine, je remballe le numéro, je me fais rembourser. Bah, du coup voilà, ours, on peut se dire que ce serait une parabole vers la nature. Les Vikings, les pirates, ça évoque forcément et euh, le, le bassin, on va dire caribéen et nordique, donc la conquête des États-Unis, l'exploration des bassins américains et bah, la queen j'imagine que c'est la reine d'Angleterre donc <laughs> <enfin, rire> c'est Beyoncé non mais c'est je... <laughs> facile de bosser avec toi en fait il ouais, hein. hein, <laughs> faut juste réussir à dire un truc sérieux après une connerie c'est un vrai exercice faites-le chez vous ah ouais, c'est pas facile en ça. Pas simple, ouais. euh, donc <laughs> voilà on ne sait pas plus mais en tout cas ça a l'air très beau l'artiste en question un, un coup de crayon qui fait un peu Bill oui. euh, donc que moi j'aime bien Sean Lewis j'avoue que of Snakes était une vraie vraie petite petite tarte dans la gueule vrai euh... pour les fans de comics ouais. un peu euh, un peu intelligent on va dire vrai, ah vrai inédit <laughs> euh, en France hein, pour l'instant en plus oui euh, bah, ça, ça a zéro <laughs> chance de fonctionner donc je suis pas très étonné Sean Lewis il a un problème c'est que en fait il fait des très bonnes BD mais que personne n'achète ouais comme Mark Russell ouais. en, en France du coup ah non Mark Russell ça commence à aller mais... bah, en France Super pas Man, Space Age ça <laughs> aux états unis ah oui aux états unis <laughs> d'accord oui, okay. oui ok <laughs> C'est différent. En France, oui. il, y a, il y a une omerta, enfin, omerta. Il y a un blocus sur ce qu'il a fait parce que je pense qu'il y a des, des souvenirs euh, de trucs qui ont été tentés comme Millionaire Island qui, qui doivent en fait freiner les éditeurs VF. Hein. Ou Prez. Ou presse, <laughs> <oui, là. rire> ils l'ont édité. Ben, mais oui, mais bien sûr. Ah oui, prez, non, non, ouais, édité. ah oui, il y avait eu le petit scandale ben, sur oui, VF. Oui, oui. Ouais. Tout à fait. Bah oui, bah du coup, évidemment, t'as pas forcément envie de te en réengager avec ça. Non, quoi. le seul qui a marché, c'est Nathal Robots, un peu chez Delcourt. Chez Delcourt, il a pas trop mal fonctionné. Euh, mais euh, c'est dire que Delcourt a essayé des plâtres aussi parce qu'ils avaient fait Second Coming au départ qui par contre là n'a pas du tout marché tu vois donc euh, non c'est c'est un dentiste un auteur qui est pas euh, bah, après c'est parce que sur, je pense surtout que son propos est trop américain enfin que c'est une façon son univers ça s'attire elle est très américaine et peut-être juste que ça ça touche pas ça fait pas vibrer euh, bah, les français autant autant que nous quoi mmh. je veux dire presse c'est génial tu vois mais c'est quand même très américain au centré donc euh, forcément euh, après là ce serait oui après second coming euh... enfin je on a quand même quelques chrétiens en France aussi ouais non second coming c'est différent mais second coming c'est juste parce que j'imagine que le trait de euh, de ce dessinateur n'a pas plu parce qu'il est quand même assez euh, abrupt, on va dire des deux dessinateurs d'ailleurs ouais. c'était quoi Leonard Kirk et euh je sais plus et, et il en pas euh... c'est pas grave voilà Peter Krause non non pas du tout donc euh, Corentin ce que je voulais dire c'est que euh, oui Sean Lewis c'est n'est c'est pas un auteur effectivement qui euh, à un énorme succès en France, je pense que Tout ça, Tout ouais. le dire, alors que il est de qualité. Alors qui fait de super BD. Mais voilà, c'est le cas de euh, pas mal d'auteurs aussi euh, par par chez nous. Euh, mais justement, je te continue de te laisser la parole avec oui. deux nouveaux projets qui sont annoncés dans le de euh, oh, Skybound. Oui. Donc avec deux titres GI Joe qui sont annoncés pour l'été 2024, puisque euh, la partie GI Joe de, de cet univers donc il mêle. Euh, J. Joe Transformers Richard et euh, merci et euh, le titre Void Rivals de Robert Kirkman en fait du côté de J. Joe ça fonctionne qu'avec des mini-séries pour le pour le moment ou en fait ça gravite autour de personnages donc ça a commencé euh, avec mince. Le Cobra Commander et Dutch Dutch? Non, Duke. Duke, Duke. Ouais, pardon, oui, Dutch, la série de Joker, c'est C'est, oui. Duke, d'abord, et puis, euh, Cobra Commander ensuite. D'ailleurs, t'as écrit Commander Cobra dans ta news. J'étais outré. Non, mais c'est Commander Cobra, justement. Non, c'est Cobra Commander. Non. C'est écrit sur la couverture, Cobra Commander. C'est, mmh. son nom, hein, veux... Il va me prendre, il va me prendre sur les Je Joe. Regardez-le, ces vidéos le mec il pas la télé quand il était petit, il me prendre les G.I. Joe. Moi, <laughs> je l'avais, j'avais pas le droit de la regarder, c'est pas pareil. <laughs> regarde la couverture, regarde oui, la couverture. Oui, non mais je te... en plus je confonds à chaque fois donc c'est possible, oui, oui. Et donc là ça continue effectivement avec le même principe, une série dans le camp des gentils, une série dans le camp des méchants euh, avec euh, Scarlett d'un côté et le Destro donc Destro de l'autre. C'est chez en tout cas sur les équipes créatives pareil, enfin tu Kelly Thompson sur Scarlett, ouais. c'est je suis, je suis, chaud et Dan Waters aussi, c'est un très bon auteur. Mais c'est même au niveau du dessin, il y avait du. du, du oh ouais, bah t'as André Bresson ça. sur Destro, c'est celui qui fait Dark Ride qui vient de sortir ouais, chez, ouais. qui vient de démarrer chez Dalcourt donc qui a fait Birthright, donc aussi très ouais, bon dessinateur Dark Ride et Birthright. Ouais. Et uh, Marco Ferrari uh, sur Scarlett. Ouais, que, tout je connais, à fait. que je connais moi par contre. Bah ouais. les planches sont jolies, ça ouais. a l'air de jouer un peu sur un côté sexy. Enfin c'est très black widow hein, dans, dans la. Oui, 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 oui. Puisque donc Scarlett c'est le premier personnage féminin de la mythologie, si on peut parler de mythologie. Elle est rose de quoi, elle est rose. Elle est rose, c'est une espionne effectivement. Euh, elle est apparue dans la ligne euh, American Hero euh, en 82, 83, 82, 82. Voilà et ça a toujours été un peu l'une des figures centrales. Elle est dans les films évidemment. Euh, et là, bah, elle, elle va étudier, enfin, elle va se, se documenter sur le clan euh, Arashikage. Arashikage, Arashikage en japonais ça veut dire Storm Shadow, l'ombre de la tempête. Donc c'est là que Storm Shadow a été entraîné et élevé euh, parce que l'une de ses amies qui est aussi un personnage connu de l'univers, GI Joe, qui est une guerrière ninja. Et là, je suis désolé, mais mes reconnaissances commencent à arriver à, à leur limite. Euh, a rejoint récemment, donc une ancienne des Joe, a rejoint récemment le clan Rashikage. Et donc, bah, baston de ex-copine, euh, espionnage, euh, Jinx, merci. Euh, espionnage, euh, voilà, ça a l'air sympa. Les premières planches, vraiment, sont plutôt jolies. Petit côté, euh, euh, côté Otto Schmidt, je trouve. Petit côté Otto Schmidt, carrément. Dans le dessin. Carrément, Bah, c'est le côté un peu... Euh, Sassie, espionne, élégante, qui sait, ouais. jouer sur son sex et tout. Mais c'est pas vulgaire et c'est pas racoleur et tout. C'est Kelly bah Thompson aussi, ouais. tu vois. Elle aime ça. Elle est en train de faire un truc avec Birds of Prey. Je crois qu'ils font. J'ai vu passer sur bien Nicoo, mais la, la promo sur. Ouais, le prochain numéro des Birds of Prey, c'est spécial lingerie, je sais pas quoi, tu vois. Mais elle aime jouer <laughs> sur Scott un petit peu. Ouais. Ouais, est enfin... enfin... Connor, euh... Oui, ce qu'on envoie Oui. tout à fait. Ouais. Donc, euh, voilà. Et du côté de. Alors, le, le Destro, c'est qui Alors, c'est compliqué. C'est le personnage qui est joué dans le film par Christopher Eccleston, et oui, le docteur, euh, infortuné, et l'elfe noir aussi, Malekith, rappelons-nous de ça aussi. Donc, le destro en fait, c'est un marchand d'armes qui euh, est considéré comme le principal super vilain de l'univers G.I. Joe, après Cobra Commander, dans le sens où c'est justement le euh, son allié principal et celui qui va toujours rechercher à créer des armes les plus, les plus bizarres et les plus dégueulasses et les plus dangereuses possibles. C'est l'héritier d'une grande famille de traîtres euh, irlandais si je dis pas de bêtises et qui en fait a la particularité de se prendre pour un chevalier donc il a un masque métallique un peu comme Fantomas sur la gueule constamment là en fait ça c'est plus lié je pense à l'intrigue de fond de l'Energonverse parce que, en fait il entend parler de l'énergie énergon et il veut créer des armes avec et donc en fait bah et dans ce contexte là il aurait plus besoin de l'aide de Cobra Commander pour dominer le monde donc voilà euh, peut-être une baston entre les deux copains dans les, ah dans ouais, les deux cas c'est baston entre copains en fait c'est assez rigolo euh, pareil, format 5-6 numéros. Ouais, ouais, c'est ça, en mini-série, de toute façon. Quoi. Avec la, la blinde de variante, David Mack... Enfin, euh, il y a pas mal de... C'est un bon accompagnement, quoi. On sent que Kirkman, il y croit. Pareil, il... Alors, c'est marrant, parce que c'est en train de devenir une sorte de Marvel à lui tout seul. Hein, Kirkman, avec les séries Universal et avec les séries Energon, il prend quand même les meilleurs talents de l'industrie. Il leur file du boulot sur les propriétés où ils n'ont pas les droits. Et pour des comics à licence qui ont probablement après, on des connaît... voies d'adaptation. Ouais, ouais. Bien euh, sûr, après, à venir, après on connaît pas les détails des contrats et de voir que même si ça leur appartient pas, il y a peut-être une bonne paye derrière aussi. Tu oui, c'est ce que, ce que, que je voulais dire quand un... je disais qu'il les payé, mais hein, des ouais. royalties sur les ventes, hein. de toute façon général les. Bah, ça, Marvel, ça, je sais pas parce bah, que, que chez Marvel, DC, et... chez DC, il y a des royalties hein, sur les. Oui, ventes. mais ça leur appartient, c'est leur personnage, alors que là il y a un montage financier. Tu vois, c'est le personnage de Hasbro et d'Universal, donc je sais pas si. Il doit quand même y avoir un intérêt sur les auteurs et les artistes sur le nombre de Probablement, mais en tout cas je pense qu'ils sont quand même très bien payés. je je leur. vu ce qu'il a réussi à ramener d'un côté avec universal d'un côté avec Hasbro euh, quand même il, il doit oui, même oui, avoir oui, un bon carnet euh, de devant lui. Oui pub. bah je, je sais ce que c'est ce qu'on souhaite en tout cas aux, aux auteurs hein, Et, et c'est cool de ce point de vue-là avec on peut ne pas aimer les comics à licence mais ça fait ça file du boulot à des artistes qui pourront ensuite s'affranchir justement de devoir avoir un, une ongoing chez DC ou Marvel pour financer leur projet indépendant et accessoirement, il peut y avoir des bons comics à licence. Et Kirkman du coup met de l'argent sur la table pour faire de la bonne BD de la bonne BD, ce qui est quand même plutôt ce qu'on demande. Mmh, avec tout à fait, son créa original. Et puisqu'on reste du côté de Image Comics, on va conclure avec ce qui est pour moi la grosse euh, annonce euh, du côté euh, de la VO qui fait euh, rudement plaisir puisque c'est euh, on a on sait euh, quelle est la prochaine série. Attends 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 attends. Oui, T'as vérifié les couvertures De quoi De Diego tout à l'heure là tu, tu m'as cassé les, les robinos. Oui j'ai vérifié. Voilà. T'avais raison. Oui. Voilà, voilà t'avais raison. Mais il faut le dire. Tu l'as pas dit. T'as pas dit. T'avais raison. Mais il si, fallait me demander pour que <laughs> je te dise. Tu sais, C'est comme pour que je fasse le reste. <laughs> Le reste du podcast avec la voix de Perfora, juste à me demander et je, et je le fais. Alors voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait, Kieron Gillen Demande-moi Demande Non. <laughs> Donc Kieron Gillen. Gillen, merde. Kieron Gillen qui annonce sa nouvelle série en Creator One avec Caspar Winchgard au dessin. Donc Caspar Winchgard qui a fait uh, The, uh, qui a fait notamment um, uh, Homesick Pilots, uh, qui était sorti ouais. chez Image, qui est Et qui, qui, Stall, et yeah. all all, uh, Homesick Pilots pour l'info l'anecdote qui aurait pu avoir une VF à un moment euh, voilà ça ça ne s'est pas fait c'est dommage mais peut-être qu'un jour quelqu'un d'autre se lancera en tout cas très bon artiste avec vraiment une palette très très pop dans le dessin vraiment un truc super moderne très animation si je trouve et jeux vidéo un peu dans l'approche mais voilà et souvent avec des hein, une mise en couleur très fluo on va dire très néon euh, donc que moi j'aime beaucoup euh, là ce sera peut-être un peu plus à plat dans, dans le dessin on sait, on en sait rien mais en tout cas Karen Gillan et Karen et s'associent pour un titre qui s'appelle The Power Fantasy le concept, euh, je le trouve très, très simple en fait, où ils reprennent en fait la notion de c'est quoi avoir des super-pouvoirs. Il dit les premiers super-héros, en tout cas les premiers êtres à super-pouvoirs sont apparus en 1945, pendant la Seconde Guerre mondiale. Sauf que euh, l'idée, c'est que quand on dit que quelqu'un a des super-pouvoirs, grosso modo, ça veut dire qu'il a la puissance destructrice nucléaire des États-Unis, l'équivalent. C'est super-power au sens de super-puissance, comme ouais. les puissances nucléaires. Et donc il explique que euh, le monde existe en paix aujourd'hui euh, simplement sur le fait qu'ils euh, ont réussi à ne pas contrarier les six personnes qui sont douées euh, de superpowers. Euh et bah et que c'était c'est une forme d'équilibre de guerre froide en fait vraiment de dissuasion nucléaire complètement sauf qu'elle se manifeste par six personnes qui sont très au courant j'imagine de de leurs capacités qui auront forcément chacun fait des choix de vie en fonction de ça et je trouve que c'est vraiment la promesse de c'est ça en fait c'est vraiment nous l'humanité si on existe encore c'est juste parce qu'on a réussi en fait à ce que euh, six personnes ne euh, soient jamais en bisby euh, les unes avec oui, les autres c'est plutôt réaliste hein. ouais <laughs> mais voilà enfin je trouve que le, le high concept il est pitché très, il est super bien fait il y a, il y a deux visuels qui sont sortis et je trouve que vraiment c'est parfaitement pitché c'est euh, Kieran Gillen qui revient aussi à ses passions aussi sur vraiment sur. Euh, bah, il l'avait fait avec The, ouais. the Weekend and the Divine sur euh, des côtés plus euh, déifié en fait sur, sur des divinités en fait qui, oui bah qui... c'est clairement ça soupape de décompression quand il fait trop de Marvel et qu'il a besoin de, de lâcher un peu la bride quoi bah même pas tant que décompression qu'en fait les ces travaux qu'il fait dans le super héros l'inspire en fait pour faire oui. ça c'est à dire c'est que c'est Young Avengers qui lui a donné l'envie de faire Big et c'est Immortal X Men qui lui a donné envie de faire The Power Fantasy bah voilà, voilà. Ça. tu et vois moi, je pense qu'il il teste des idées dans ses séries de super héros mais il, il a peut-être il garde les idées qui qui ferait mieux en solitaire ou qui ferait mieux sur proposition totalement originale et en l'occurrence c'est clairement le cas enfin je veux dire le principe même justement des des six euh, personnes concernées ça fait très Omega X Men quoi enfin c'est c'est ceux qui ont les pouvoirs de détruire la terre s'ils veulent un claquement de doigts et tout c'est ça comme apocalypse comme Xavier comme Magneto etc etc je, au, au début je disais merde six personnes il va faire un truc à The ambassadeurs aussi il va faire le contre The Ambassadors mais mais peut-être que justement ce sera un ambassadeurs avec un vrai discours politique oh, derrière non, quoi non pitié. je genre, moi je veux, je veux une série complète et pas un one shot à chaque fois où on introduit par ah non mais j'espère par contre que c'est ongoing oui, voilà c'est ça en plus, c'est un mec qui avait tenu les ongoing quand même. Genre, encore une fois, le. Ah, Mais il les a Ah, outre. comment s'appelait? et moi euh, The One Set Future King. One Set Future. Voilà. One ouais. Set Future. Tu vois, au au début, au début, on croyait que ça partirait sur trois tomes. En fait, il continue et c'est. Oui, bah, Vachement bien, tu ça vois. Ça avait été voilà. annoncé, oui. En fait, ça, 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 ça s'est prolongé. Voilà, c'est Mais... un mec qui a vraiment envie de faire du image comics entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire de pas se limiter, de pas se donner de, de deadline pour arrêter un projet et tout. Et en plus, il a le Star Power qu'il faut et. Parce que, justement, il a travaillé chez Marvel, il a aussi les fonds nécessaires pour pouvoir soutenir un projet sur, sur du long terme. Die avec Stéphanie, ça fait, euh, fait, trois tomes aussi, hein, donc Tout euh... à fait, c'est à bien, ça aussi. Ouais. Mais donc, ouais, franchement, super bonne nouvelle. En plus, effectivement, dans le communiqué de presse, lui fait beaucoup de références à Wigdiv. Ouais. Euh, donc, pour tous ceux, pour toutes celles et ceux qui regrettent que cette superbe bande dessinée n'ait pas eu le, le retentissement qu'elle aurait mérité, ou de suite, enfin, ou de continuation, on va dire, plutôt. Euh, c'est une super bonne nouvelle. Moi, Kieran Gillen, je pense que c'est l'un des meilleurs actuellement. On dit beaucoup, euh, Ramvey, Cantwell et James Stanton Ford, etc. Faut quand même pas oublier Kieran Gillen, justement, c'est le mec qui passe après Hickman sur les X-Men. Avec Degan, évidemment. Et qui vraiment, euh, bah, ça tient, quoi. Genre, il y, y a aucun différentiel de qualité. Limite, justement, il te met des idées avec plus de coeur et, et, un côté, à mon sens, plus, plus, plus charnel que ce que fait justement Hickman, qui reste quand même toujours assez distant. Euh, franchement, son run des X-Men, moi, j'ai adoré. Je trouve que c'était la, la meilleure idée pour reprendre euh, le volume. Tout ce qu'il a fait en créateur, bah, non pas tout, mais ce qu'il fait en créateur en général, je suis ouais, beaucoup assez quand même. Oui. Ouais, ouais. Non mais il y a des vieux projets. Euh. Mmh. Mais du coup, ouais, franchement, euh, super nouvelle, très cool. Et effectivement, c'est. Oui, c'est rigolo parce que c'est ça quand tu t'arrêtes et que tu reprends le concept de très loin, tu te dis mais en fait c'est pareil, c'est juste les, les, les six pays qui avaient la, la bombe nucléaire au début quoi grosso modo. Mais et du ouais. coup ça a une échelle individualisée. Oui c'est ça. C'est là que ça devient Alors, intéressant sur des dynamiques de, de personnages quoi. Et puis il y a plein de propos que tu peux être avec ça, tu vois justement le, le fait que l'individu est revenu au centre de la société, qu'on pense plus en tant que collectif et tout. Donc euh, voilà, moi je suis, je suis chaud. Je connais pas, pas, pas très bien euh, comment tu dis, Wenguard. Caspar Wenguard ouais. Wenguard, je connais pas très bien son travail à lui. Mais, je euh, pensais vraiment, homme euh, Ok, très bien. Et, euh, mais je je, je t'écoute. En plus, tu vois, le, 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 enfin, le fait que le personnage, enfin, tu clairement un personnage qui est identifié comme LGBT, tu un personnage qui est noir, euh, c'est ouais, ouais. très con, mais d'avoir un personnage noir détenteur de la puissance nucléaire, et, ouais, ouais. imaginons qu'il vive aux États-Unis. En 1945, avec tu enfin tu vois très bien la façon dont ça peut ça a pu modifier le cours de l'histoire euh, bah, des Noirs aux États-Unis avec ce genre de choses là, tu vois. Ouais. qu'il y aura tout un tout tout, tout le côté en fait euh, uto enfin uchronie en fait à, à explorer qui à mon avis peut être. absolument. Bah quand tu pars d'aussi loin. Non ça non je suis trop chaud <laughs> j'ai beaucoup trop chaud donc ce sera dans le focus pop ce out de 2024 il hein, y a pas de il y a pas de demi-star là-dessus euh, un autre titre d'ailleurs qui sera sûrement dans un prochain focus pop c'est ce, le dernier dont on va aborder qui a été annoncé, est annoncé c'est le Zatana euh, qui arrive dans le black label avec Mariko Tamaki et Javier Fernandez Corentin Fernando Rodriguez. Rodriguez. Oui. Pourquoi j'ai mis Fernandez? C'est un Il bah, y a beaucoup de, y a beaucoup d'espagnols, d'hispanophones euh, dans les comics. Non mais bien Ravé Fernandez en plus. Oui oui non, mais oui, oui. Rodriguez, non, mais là, Martinez mais... aussi. Rodriguez et, qui a euh... fait le, euh, qui était avec Chris Samney sur Mark Wade, oui, euh, sur absolument. le tard de vie de Mark Wade. Tout à fait. Et qui a fait aussi The Story of the Marvel Universe avec Mark Wade aussi. Oui. Euh, Rodriguez. Voilà. C'est pour les fans de lycée Moon. Donc euh, projet cool euh, Black Label parce que justement on a beaucoup trop de Batman et, et tout le monde le sait on a fait la blague on a fait les jeux de mots on a fait tout ce qu'il fallait faire et effectivement est-ce qu'on l'a fait qu avec la voix du perforace et... <laughs> bon vas-y si tu veux non, est bon, bon d'accord <laughs> mais t'assumes as... pas après est-ce es est que tu connais le Black Label Corentin oui perforace <laughs> c'est un label avec beaucoup de séries comme Batman. D'accord. <laughs> Comme... Mais quelle est l'énigme, parfois, parce que je, j'ai mal la clé, là. Ah on oui, a... merde. Pas le temps. Que... Euh... Faut te jeter à l'eau, tout de suite. <laughs> Vas-y, allez. Donc, that's... ça valait le coup. <laughs> bring down the house. Les ouais. gens donnent sur le Tipeee, pensent à tuer. Tamaki, sont... Rodriguez. Euh, super équipe créative, Mariko Tamaki, qui est en super forme, en tout cas, jamais été en... enfin, qui n'a jamais pas été en super forme. Euh, qui est très doué, justement, sur les personnages féminins de chez DC, en plus. C'est un peu leur, euh... Bon, j'allais dire, en fait, c'est vrai qu'il y a Jebby Wilson aussi qui s'est bien implanté chez DC récemment. Mais dans tous les cas, de toute façon, c'est deux très bons scénaristes. Euh, en l'occurrence, Rodriguez, donc effectivement, qui a un coup de réunion assez formidable. Et là, l'idée. Alors, le pitch, pour moi, est pas très vendeur. Enfin, pas très vendeur, il est pas très original, en l'occurrence. C'est juste, Zatanna, elle a fait un sort. Enfin, elle a, elle a réalisé une, une opération magique qui, apparemment, a eu des conséquences rétroactives sur sa vie. C'est-à-dire qu'apparemment, ça a changé le truc dans son passé. Et depuis, elle a décidé que c'était trop dangereux la magie, donc elle est devenue magicienne de spectacle, comme euh, Copperfield ou euh, David Blaine et compagnie, euh, mais qui crache des grenouilles, là. Non, non, mais j'avais euh, souvenir d'un vieux, d'un magicien, euh, Chris quelque chose, non Un truc qui était sur, genre sur MTV, un magicien avec un look un peu émo, rimel, je sais pas quoi, truc, et voilà, c'est tout. Et je regardais ça quand j'étais adoré, ça me faisait trier. Bah, vous chercherez chez vous euh, magicien Emo Rimmel Arnaud chez euh, Enfance je, je te que que... tu vois. En... vas-y vas-y continue donc voilà euh, donc elle a décidé d'annoncer à la magie classique donc, on se rappelle c'est une sorcière qui est la fille de Satara le super sorcier Chris et Angel elle... et Chris Angel ah et lala. quand elle parle à l'envers ça fait des trucs donc si elle dit euh, Arnaud, arrête de faire chier avec ta digression à l'envers, bah ça marche et Arnaud ne peut pas s'empêcher d'arrêter de faire chier avec cette digression. Regarde, il aurait pu jouer dans le reboot de The Crow. <laughs> ah, ça n'a pas marché. Je pas dit à l'envers, voyez. Ah, mais je le connais lui, bien sûr. Ouais. Il y a même des parodies de lui dans, oui. dans les films euh, comme Fright Night notamment. Vous avez ah, Fright ouais. Night avec euh, avec Colin Farrell. Donc parce qu'il y a un autre Fright Night, Night des années 80. Donc euh, voilà, j'ai complètement perdu le fil. Oui, elle est devenue magicienne de spectacle, et en fait, un jour, pendant un de ses, un de ses numéros, à Las Vegas, pendant un de ses numéros, le sol se dérobe, un démon apparaît du néant, et si elle veut survivre, elle va devoir réutiliser la magie. Voilà. Le pitch va pas chercher midi à 14h, c'est assez classique comme début de série. Mais Zatana, bah, c'est un personnage. Alors, <laughs> moi, j'aime bien dire que Zatana, c'est un personnage que tout le monde aime bien, sans comprendre pourquoi. Parce que je connais pas 40 personnes qui peuvent me citer des grands chefs d'œuvre de Zatana, ou... Ou des grands runs sur Zatanna, etc. En vrai, elle n'a pas eu 40 mille séries juste à elle. Hein. Euh, elle est surtout beaucoup connue pour les couvertures de Adam Hughes, parce que Paul Dini l'adorait. et l'a foutu un peu partout, même dans le dessin animé Batman T.S. Batman d'ailleurs. Et pour avoir un design qui est exceptionnel et indémodable, euh, les barésies, le chapeau de forme, la magicienne, voilà, qui est les grandes, qui est classe, qui est sexy, qui est ce que vous voulez. Et ce gimmick de pouvoir à parler à l'envers, qui est souvent, hein, que souvent aussi assez utilisé pour les rédacteurs de presse qui ont un peu la flemme de trouver des intertitres. <laughs> mais donc moi je suis content parce qu'effectivement un personnage qui a beaucoup de potentiel et qui malheureusement n'aura pas le droit à son adaptation au cinéma par Emerald Fennell euh, c'est dommage mais ça veut bien dire quand même que DC Comics commence à comprendre qu'il y a un vrai coup à jouer avec le Black Label qu'on peut aller plus loin que Gotham City parce que quand on dit qu'il y a beaucoup de Batman chez le Black Label oui il y a surtout beaucoup de Gotham City là on avait annoncé récemment la série Robin de Juniba on est très content il y a eu Harley, il y a eu les euh, Criminal Sanity et compagnie c'est plus en général Gotham qui, du coup, comme c'est une ville de polar et une ville noire, correspond bien à l'idée qu'on se fait du Black Label. Mais en vérité, il y a plein de personnages qui mériteraient justement leur projet à eux. Celui-là en fait partie. Tamaki Rodriguez, forcément, ça fait envie et puis voilà c'est vrai que en plus ce sera la première série Zadala originale en canon en truc, enfin pas en canon mais en, en single issues depuis très longtemps parce qu'elle avait eu son, son truc son Night Terrors euh, pas, vous êtes, voilà, on va pas en parler on va pas reparler de Night Terrors euh, les deux romans graphiques jeunesse qui sont sortis en 2021-2022 elle avait eu un roman un graphique par Paul Dini euh, oui oui ça voilà, fait un petit bail ça ouais c'est 2016 2013 euh, plutôt non ah, peu, non non parce que j'étais sur DC Planet euh, déjà donc euh, bah oui en 2013 aussi Ouais, tout juste, j'étais pas encore assez okay, fan de ouais, Zatanna je, je connaissais pas Zatanna pour, pour avoir pris okay. le, le truc, quoi, donc. Bah voilà, en tout cas, c'est un personnage qui a pas eu, donc, 40 mini histoires à elle. Oui, ça c'est sûr. Pas euh, ouais. Mais on voit que DC fait un petit push parce qu'ils l'a mettent sur plein de, de sujets à la fois. On verra, pourquoi pas. De toute façon, rigole, il y a beaucoup euh, dans le jeu Suicide Squad qui est The Justice League. il Y a beaucoup d'affiches parce qu'elle fait un spectacle justement dans la ville de Métropolis et euh, ça m'a interpellé parce qu'il y a beaucoup euh, bah, de visuels qui sont présents dedans. Je sais pas si c'est juste parce que eux chez Rocksteady sont super fans de Zatanna ou pas. Euh... Bon, c'est possible, mais il y a beaucoup de gens, je te dis, qui sont fans de Zatanna. Plus ce film qui devait faire. C'est ce que je viens de dire. Oui, mais c'est oui, oui, oui. mais, <laughs> mais un peu la bombe chaîne absolue. En plus, pareil pour les figurines, pour les, les posters ouais. et tout. Je crois même nous, je crois qu'on doit avoir des posters Zatanna à la maison. Mais parce que voilà, c'est juste, aller a un design qui est trop parfait, quoi. Mmh. Et puis, ça se côté un peu la magicienne dans un monde de super-héros, il y a toujours une perspective que tu peux ouvrir. C'est comme pendant New 52, ils avaient absolument voulu qu'on insiste sur le couple Constantine Zatana, qui est une pièce ultra rapportée, en fait, dans le canon Hellblazer, dont tout le monde se fout complètement. Mais d'essayer, ils voulaient faire leur petite romance euh, sous-opéra. Et en vrai, tu vois, voilà, ça participe... Est-ce que tu est as dit quand même qu'elle avait été quand même bien mise en avant avec Justice League Dark? Euh... Non, je ne l'ai pas dit. Ouais, je vais de des projets en, en solitaire. Ouais, Effectivement, ouais. mais même de ouais. le premier round du Future 2, d'ailleurs, ça. C'est l'une des figures récurrentes de Justice League Dark avec Etrigan et Constantine. Parfois Scrum aussi. Et parfois Shade The Changing Man quand ils ont vraiment envie de prendre de la drogue. Ouais. Mais euh, du coup, voilà. Très bien. On attendra ça avec impatience et on passe du côté des écrans. Peux dire à l'envers ça. Hein avec une seule partie ancienne Non mais je peux toujours te le faire avec euh, ah la voix ah du Perforas. Dis Perforas à l'envers. Perforas. Ah merde. Oh. Souraf. Non. Ça c'est fouras donc c'est ça euh, On va rep. dire ça Sarouf Ça rouf. <laughs> voilà. <rire> Ce qui est pas incroyable. Et voilà, plus. il s'est transformé en Perforas <laughs> voilà. Vous ne verrez plus jamais un okiku euh, comme avant. Du côté des écrans, donc partie cinéma avec euh, quelques petites news. Alors, quand même, ce qui est plutôt cool, on a une date de sortie à 2026 pour la suite de euh, TMNT Mutants Mayhem. Et en même temps, bah, t'as le jeu euh, TMNT euh, Mutants Unleashed qui s'est dévoilé qui va sortir euh, cet automne en octobre. Donc, euh, double dose de, de, de Tortue Ninja à venir, sachant qu'on vous l'a dit avant, il y a la série Tales of the TMNT qui arrivera cet été. donc euh, ouais pour ceux qui auraient aimé euh, cette déclinaison il euh, euh, y a quand même pas mal de, de choses à se mettre sous la dent euh. oui euh, bah pour les tortues évidemment on avait déjà eu la confirmation que Paramount avait donné son feu vert euh, <coughs> pardon, à une suite avant même la sortie du premier en fait c'est toujours Jeffro qui le fait on n'a pas encore une nouvelle sur, sur Kyle Spears euh, c'est toujours Point Grey donc c'est Frogon et Van Goldberg qui euh, produisent euh, 2026 ça me paraît assez long parce que c'est quand même euh, ils ont développé le moteur graphique, entre guillemets, pour le premier film, donc ils auraient pu directement, euh, je pense, aller plus vite. Je ne suis pas sûr que ça aille si rapidement, mais. Euh... Bah, je, oui, en fait, le problème, c'est que tu as la jurisprudence Spider-Verse. Oui, voilà. voilà. Où, en fait, il bon, y a eu ce qu'on qu sait par rapport au burn-out, par rapport au crunch aux animateurs. Et je pense que Pone étant dirigé par euh, Seth Rogen, qui n'est pas un enfoiré, ce n'est pas pour dire que Philord est un enfoiré, hein, c est, bah, chacun sa méthode de travail, on va dire. Euh, a préféré justement que les metteurs avancent à leur rythme vu qu'il n'y avait pas un gros enjeu financier le film il, le premier film il a, il a marché au point de générer du bénéfice mais il n'a pas non plus renversé euh, il oui, faut, faut voir après sur le DVD, le BR, le streaming les toys et tout ça, il faut voir je pense que, que dans leur bilan comptable Paramount est quand même content oui certainement et en plus comme on sait qu'il y aura un, un bon temporel entre le 1 et le 2 qui justifiera aussi l'évolution de la voix des, des comédiens de doublage évidemment euh, ils peuvent se permettre entre guillemets de vivre en, en, en temps réel avec les tortues. S'ils disent, bah c le film se passe trois, trois ans plus tard et <laughs> d'un seul coup le Shredder sans raison décide <laughs> au bout de trois ans d'aller. Euh, non, bah justement, la il aura, il aura implémenté toutes les cellules du euh, clan Foot dans ouais, New York, tout à fait. Ouais. Moi, j'ai hâte. J'ai bien aimé le premier. Ouais. Vraiment, c'était une une bonne surprise, une bonne cam Le jeu vidéo, pardon, j'ai pas grand-chose à en dire. Euh, on avait parlé du, le, du jeu d'arcade qui est sorti. Euh, oui, on en avait reparlé, mais justement, là, là c'est différent, puisque c'est quand même un jeu d'action euh, plateforme 3D, donc euh, où l'esthétique du film est reprise. Donc, euh, à voir, parce qu'effectivement, le développeur, c'est. Enfin, l'éditeur, c'est Outright Games, et eux, ils font beaucoup de trucs à licence pas terribles. Ouais, oui, oui. Voilà. Mais le développeur, je ne connais pas trop. Euh, et quand tu vois les visuels, tu te dis qu'au moins, euh, peut-être qu'à la, à la manière du Hellboy euh, Web of Weird, tu vois, au moins, ce sera joli à défaut d'être super intéressant sur le gameplay donc je préfère attendre je t'ai dit on attend mai il sort en mai en physique donc ce serait bien d'en parler en mai de nouveau d'accord j'ai des choses positives et négatives bah oui forcément forcément en tout cas Corentin juste une petite nouvelle aussi du côté de bah voilà la production de Superman c'est parti le tournage d'ailleurs ce n'est plus Superman Legacy donc c'est bien Superman que le film enfin le film s'appellera Superman au final James Gunn il a dit j'ai écrit le script en pensant Superman Legacy puis en fait quand j'ai fini j'ai fait bah en fait donc euh, ce film s'appelle Superman. Bah, du coup, ta théorie sur la, la, le sexe tombe sur le sexe. Je me souviens pas quand on avait parlé. Euh... Moi, j'avais j'avais suggéré l'idée qu'il pourrait y avoir Jonathan Kent dans l'avenir euh, du DCU, et t'avais dit ah bah oui, euh, ça s'appelle Legacy. Forcément, il y a des gens qui vont baiser ou wow. un <laughs> truc avec. Euh, ça ressemble ton, effectivement voilà... <laughs> à, à mon argumentation, à hein. <laughs> ton éloquence euh, non, légendaire. <laughs> et donc, bah a priori, c est, c est, cet argument-là tombe. Bah non. Pourquoi euh... En quoi ça les empêcherait de baiser non, mais c'est pas la question. <laughs> ce que je veux dire, c'est que, déjà, de base, t'es débile, ce que t'avais dit. Hein. C'est pas une <laughs> je... que c'était <laughs> super legit. Legacy, <laughs> si, ça veut dire héritage. Genre, d'un fois que tu baisses, tu penses que à ton héritage, toi. Crois, hein. Oui. Je... Et je pense au réarmement. Je m'en parler avec Tago. Ça va lui faire plaisir. Au <laughs> réarmement démographique. Là, voilà, j'appelle mon notaire le lendemain. Je, je... je pense <laughs> à ça toute la nuit. Je... <laughs> parce quoi. Donc, euh, alors, Superman, bon, évidemment, c'est symbolique parce que c'est le, le premier film qui s'appellera Superman depuis. Superman, de Richard le premier Donner, film ouais. effectivement de Donner, euh, dans la mesure où Superman Returns, le reboot, il y a deux reboots, ça s'appelait Returns, et Man of Steel, s'appelait Man, Man of Steel, Steel. à l'époque où c'était justement le clin d'œil à The Dark Knight, qui s'appelait pas Batman, mais The Dark Knight. Moi, je sais pas, c'est peut-être un peu ambitieux, enfin, Évidemment que c'est ambitieux, c'est le c'est pour lancer un nouvel univers. Puis, Wendell Pierce, juste qui sera Perry White, ça c'était en fait l'accroche. Oui, euh, oui, oui. Voilà, donc, bon. Perry White sera encore joué par un acteur noir. Waouh bravo les fascistes, vous avez une influence incroyable sur le monde. Continuez à vous énerver sur Twitter, ça, ça intéresse beaucoup de gens, euh, visiblement. Euh, ouais. Moi, je sais je pas trop quoi en faire. Enfin, le film, je l'attends, je suis très content, etc. Mais je, je sais pas. C'est un peu pinaillé, mais il y a peut-être un côté un peu euh, présomptueux à appeler le film Superman, Superman. Ce, ce serait ma faute. Il ne faut pas marcher dans les, dans les empreintes des géants, c'est ça bah Moi, j'aime bien le côté sous-titre, en fait. Euh, même pour les bases de données, c'est plus facile. Euh, mais il y a un côté, en fait, si tu vois, chaque génération apporte son, sa pierre ouais, à peut tu que Peut-être que euh, 60 ans après, c'est bien d'avoir, euh, même plus, euh, 80, je ne sais pas, c'était quand, euh, premier temps 60, 18, 78 C'était ouais, il y a 45, 46 bon, ans. 50 ans, ouais, ça, plus de 50 ans, quoi. Donc, euh... Non, 46 ans. Non, attends. Mais non, 78 plus 5 ans, ça fait 28. Ah oui, non, il n'y a pas encore. Oui, 46 pardon, ans. Ça, voilà. ça, oui, oui, oui pardon, <laughs> Il est docteur hein, en... <laughs> en biologie, pas en mathématiques. Euh, euh, non, mais près de 50 ans, du coup, je pense que ça va, au bout de, 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 de près. de. Ouais, 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 bah, c'est pour pinailler. Ouais, hein. On va refaire, quoi. Tu pinailles quand même, non Je pinaille. Ouais, Après, le site euh, sera tourné donc en, en Norvège, euh, en tout cas en partie, j'imagine, pour, pour la, la forteresse, forteresse de, de la Solitude. Solitude. En tout cas, le premier visuel, on voit <laughs> le nouveau logo avec euh, de, de la glace. Il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. On a vu quelques photos où le, toute l'équipe posait pour pour dire on y va. Euh, il y a un petit sketch TikTok qui était marrant avec Clark et... Enfin, Clark, je dire. David oui, Corinne avec euh, et oui, Nicolas Hoult et euh, Phoebe, Diven Phoebe Divenor du coup, c'est. Rachel Brosnan, Rachel Brosnan euh, avec Loïse. Voilà, le petit trio a l'air mignon. On sait que Gunn, il aime bien cultiver la complicité au sein de ses équipes, que chaque tournage est un peu une grande famille de potes. Où, voilà bah, où, surtout qu'ils sont partis pour faire aussi plusieurs films a priori ensemble bah donc, euh, oui euh, a priori oui. enfin un moins d'une surprise euh, parce que justement connaissant Zaslav c'est pas forcément mais bref c'est genre parce que une, comme tu dis c'est une famille dans une famille bah une famille ça s'agrandit ça s'agrandit en baisant euh, et donc en faisant Jonathan Kent euh, Jonathan Kent tu vois tout euh, à fait voilà, c voilà, on je y revient j'ai rien ajouté à ça on y revient bah voilà je crois qu'il y avait même Isabella Merkhead puisqu'elle jouait oui elle joue dedans à girl ouais voilà, qui sort de Madame Web pour aller faire ça va changer Oscar, de faire ouais. des bons films ouais. tu sais qu'il y a eu des tonnes de ventes Madame Web hier euh, aux Oscars ah ouais, ouais non, je pas, pas. à un moment donné tu avais euh, John Mulaney qui est un humoriste génial euh, il est sketch sur son sur Netflix je crois euh, qui arrive et qui dit euh, pour présenter la, la statuette du son donc le meilleur son au cinéma et tout et il dit « Ouais, le son, c'est super important. Sans le son, on n'aurait pas eu des répliques formidables comme euh, « Il va nous falloir un plus gros bateau » ou euh, « Est-ce que c'est ton jour de chance, punk ?» et tout. Ou encore, euh... il ouais, <laughs> était avec Madarone hein. euh, en Amazonie quand il étudiait les araignées <laughs> Je <rire> jure, la salle elle était mais morte de rire. Mais franchement, c'est devenu vraiment tellement une blague Sony. Aux Oscars, ils se foutent de la gueule de Sony. Quoi. Tu vois, c'est bien la preuve, quoi comme on disait la dernière fois, que c'est terminé. Quoi, ça Pardon, on verra plus tard. Mais <laughs> tu sais, les Oscars c'est un microcosme de gens qui se regardent la nouille. Ça, ça reflète pas forcément mais... les opinions du, du public. Hein. Mais pour que ça aille jusque, tu vois ça. Bah non, mais ils, ils ont la culture. Ils regardent, la, ils regardent la TikTok aussi. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont la culture même en eux quoi. C'est vrai. Je trouve ça beaucoup plus marrant. Enfin, après, après voilà chacun ses trucs, mais. Euh... Bon, c'est vrai, on peut, on peut aussi, aussi rigoler. C'est pas forcément sympa pour les gens impliqués dedans qui ont essayé de faire de leur mieux. Ce que je pense pas que S.J. Clarkson est forcément. On sait que le film a été réécrit aussi et tout ça. Donc je pense je suis pas sûr que ce soit forcément le moment de faire du gros roast comme ça, alors qu'en vrai, c'est les mecs de Sony. Enfin, tu, tu vois ce que je veux dire. Par rapport à Clarkson ou aux actrices impliquées. Euh, je préfère quand tu De Vito et Schwarzenegger qui se retrouvent et qui. Ah, c'était trop marrant ça, à, ça aussi. À, euh... à, à sur Batman et puis faire. Oh, T'as fait quoi Batman Il a joué sur la seule faiblesse et toi Oui, mais c'est pas une fenêtre. il est là, oh, regarde tu sais que t'as des couilles de te ramener là, hein, on va te retrouver. Et, après. Surtout, et surtout Michael Keaton qui fait la poker face de qui fait vraiment ouais. genre, tu sais, il sourit pas, il fait, ba bah, il fait Batman, quoi, tu vois. Il y a de Vito euh... qui fait son personnage de Philadelphie. genre, What ouais. the ouais, fuck? <laughs> non, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est plus. Euh... Tu l'as mis, Madame Wem, d'ailleurs, dans l'actu la, Sony, là? Il y a une main euh, Madame Ah, tu sais que Sony a dit euh, qu'ils avaient ah un, non, peu ça, un peu ça, choqué par la titule. Non, de non, plus, zone, non euh... mais en plus, à l'état de rumeur, donc en fait, pour le coup, je l'ai même pas traité à l'écrit, quoi. Non, non, bah, les couilles, de toute façon. J'aurais bien aimé. Le dernier non, mais de dernier je... nom on aura d'autres occasions je crois qu'on aura au moins oui. deux autres occasions de dire euh, que Sony pue la merde euh, <laughs> cette année donc bon euh, en live action euh, en tout cas parce que l'animation hélas Spider-Verse n'a pas eu l'Oscar c'est dommage mais bon big up à oh, c'était un peu évident oui oui c'était sûr oui c'était sûr que Miyazaki en face mec ouais mais le 1 le 1 l'a eu oui mais mais c'est bon le fait Miyazaki c'est quand même mais oui enfin, c'est important aussi hein. oui mais mais quoi <laughs> Le dos deux, le deux aurait pu l'avoir aussi. D'un point de vue <rire> émotionnel <rire> et technique et tout ça, avec tout le respect et l'amour que j'aime. Attends, j'ai dit Miyazaki à trois reprises sur, euh, sur, Mais sur mon y corps. Il y en a moi. un qui n'était pas un vrai Miyazaki. Donc. Comment dire bah, T'as pas un autre Soul aussi non non mais je veux dire que j'ai j'ai un, un truc de Mononoke j'ai un truc le, le château dans le ciel et j'en avoir un autre du château dans le ciel le le euh, ouais c'est le bandage que Ashitaka porte avec le pendentif que ça sort lui offre là. ok t'as pas pris le plus, <laughs> plus évident ah bah non bah la symbolique ça ça, ça, ça se travaille aussi <laughs> hey, <il est> fort <rire> <rire> mais bref tout ce que je veux dire c'est que donc j'aime Miyazaki je pense quand même que d'un point de vue meilleur film je pense que Across the Spiderverse c'est un meilleur film que le garçon et le héron qui n'est clairement non. pas le meilleur tu Miyazaki. Ça, du ouais. tout. Ah, si, je le dis complètement. T'es un fou furieux. Ah ouais. je le dis complètement. C'est pas le meilleur Miyazaki, mais c'est le, peut-être le petit peut dernier film. C'est un jeu, oui, mais c'est, bah oui, mais on, on, on dit pas, tiens, t'as la statuette parce que peut-être tu vas crever et on aurait, euh, ça que bah non. Mais non, mais les Oscars, c'est pas récompenser le meilleur. C'est récompenser un choix euh, industriel pertinent sur un, sur un moment ou une carrière. Enfin, je veux dire, tu sais quand, comment ça s'appelle? DiCaprio, il a eu l'Oscar. Et parce que ça n'aurait pas été pertinent de récompenser. il a eu le premier, donc il n'a pas besoin d'une deuxième table dans le dos. Si, parce que justement, c'est un exploit de réitérer quelque chose quand tu fais une suite, alors que justement tu pourrais aller dans la facilité. mais avec les polémiques tu sais qui vote. Tu sais qui vote à l'Académie Les professions concernées votent pour les prix concernés. Vu la réputation que c'est fait, Phil Lord tout seul comme un grand avec les animateurs et ça m'aurait surpris s'ils auraient voté pour lui quest ce, que, qu -ce, qu -ce qu'on qu qu sait que chez Ghibli ils sont pas non plus en oh bah je pense que si je pense que si ah mais voilà lui, bah est-ce que les japonais sais. sont aussi nombreux que les, les animateurs américains tu vois pour rester l'occasion pour les animateurs qui viennent d'arriver sur le marché de rendre hommage à un mec qui est euh, oui, un oui, colosse tu m'en parlais de Toriyama. Oui oui, lui c'est lui oui, c'est aussi l'un des mecs qui a eu la plus grande influence mais pas qu'au Japon sur le reste du monde du euh, dessin animé. Oui, c'est sûr. Et du de la BD aussi. parce que Miyazaki et le Toriyama de l'animation quoi je pense pas qu'ils auraient été potes pour le coup, à mon avis. Parce que Miyazaki, c'est quand même une... Il, a, il est sécoce. Hein. Ah, ouais, ah, Miyazaki, ben, je pourrais t'en parler des heures, mais c'est vraiment un mec qui déteste vraiment les gens. Oui. Enfin, il déteste pas les gens, il aime bien les gens, mais il, il aime pas être une célébrité, il aime pas qu'on vienne lui parler. Il est un peu misanthrope comme il ça. Il est hein. un peu misanthrope, il est ouais. super cassant, il est sécoce, il fait la gueule. Marrant <laughs> qu'un mec aussi froid puisse faire rêver tant de gens, mais ce n'est pas le sujet parce que... Il déteste les jeux vidéo aussi. Ça, c'est bah, nul. Euh, mais donc... Euh... Juste un, un petit mot, juste sur, sur ce drôle de film euh, qui s'appelle The People's Joker, qui a euh, une ah petite oui, sortie vrai. cinéma aux États-Unis, alors qui a l'air euh, enfin, d'être un truc euh, un peu faux chax euh, très queer, euh, très, très indé aussi euh, dans, dans l'image, oui, 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 et complètement pas validé par Warner et DC d'ailleurs. Bah alors, pour résumer, en fait, ce projet, il faut faire par contre que tu me retrouves les noms parce que là, je ne les ai plus en tête. Oui. Euh, il vient d'une artiste euh, trans, enfin d'une femme trans qui se trouve être euh, qui était monteuse sur l'émission de Sacha Baron Cohen, Who is America? Euh, qui a priori est humoriste et doit avoir des potes ou des crédits d'écriture au SNL, parce qu'il y a pas mal de gens du SNL qui participent au projet. Pendant le Covid, en fait, il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait tout un débat par rapport, enfin tout un débat. Elle s'appelle Vera Drew. Vera Drew. Il y avait une, euh, une critique de la politique de Trump par rapport aux personnes trans, où il avait refusé que les personnes trans aillent dans les centres d'accueil, euh, enfin, aillent dans les parties féminines des centres d'accueil, ou les centres masculins des centres d'accueil. En considérant que le sexe biologique était ce qui devait définir et l'accès aux toilettes, et l'accès aux soins, et l'accès à l'hygiène, et compagnie, et compagnie. Il n'avait pas refusé aussi que les personnes trans soient dans l'armée, un truc comme ça Oh, ça, je crois que c'est plus vieux. Mais peut-être que ouais. tu as raison, ouais. peut-être raison, je sais pas, hein, pour le coup. Mais bref, en tout cas, Trump pas appliquer une politique transphobe de très, ou, très ouverte, très assumée. Euh, on peut, enfin, les gens qui nous écoutent et qui sont pas forcément euh, clients de ce genre de débat, euh, on peut au moins s'entendre sur le fait que Trump n'aimait pas les personnes trans. Et donc, euh, la Vera Drew en question a décidé, en fait, de profiter, enfin, pas de profiter, mais de se réapproprier le film Joker de Todd Phillips. Dans le Joker de Todd Phillips, en fait, on a une personne qui souffre de problèmes mentaux et qui est très différente, justement, des comics. Euh, en souffrant de problèmes mentaux, on va se créer le personnage du Joker pour réagir à une société qui l'étouffe, euh, où, où, ça se passe pas bien, où c'est le ghetto, où un milliardaire veut se présenter à la mairie et tout. Bah, en fait, Vera Drew, elle a pris cette idée-là et elle a dit, mais appliquons-la, en fait, aux personnes trans imaginons que le Joker en fait serait la personnalité que moi j'ai créée parce que le monde dans lequel j'évolue bah m'étouffe aussi et que en fait il laisse pas de place aux gens comme moi et en fait à un moment donné bah tu pètes un câble et tu te crées ce personnage ce qui est pas idiot dans le sens où effectivement le Joker a souvent été vu comme un personnage gay hein. de fait c'est un humoriste raté oui, et puis c'est euh... un personnage queer en tout cas dans, dans tous oui les oui cas, voilà bah, au départ c'est un père et... enfin ce qu'on se fie à l'origine story comme Geoff Jones a su le faire de Killing Joke c'est un père qui est pas heureux enfin c'est un futur père qui est un pas heureux père, ouais. Euh, qui n'est pas doué dans ce qu'il fait, et qui, à l'aune d'un traumatisme personnel, va en fait abandonner Femmes et enfant enfin, non, parce qu'ils sont, ouais, bref, c'est pas les King Jokes, mais, euh, va devenir le Joker, ce personnage flamboyant, beaucoup plus aguicheur, beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus théâtral, et j'imagine qu'on peut, en tout cas si on est gay, ou LGBT+, etc. Y voir une allégorie du coming out. Y voir une allégorie de la personne qui, justement, cesse de refouler ce qu'elle a en elle. Ouais, c'est un mélange de coming out et de power fantasy. Ouais, voilà, c'est ça. Quoi. Mais, mais, mais a... en même temps, la power fantasy peut être aussi juste ça. Et euh... le Joker ouais. ressemble à des personnages qu'on a pu voir au cinéma, dans le Rocky Horror Picture Show, dans, ou dans la culture drag. Tu vois, justement, c'est ça, en fait. J'exprime ma, ma, ma féminité en me déguisant, en me maquillant, en, en créant des personnages comme euh, le de Rio, etc. Donc, effectivement, le projet, il est pas idiot. Le problème, c'est, enfin, problème. On peut constater que c'est un problème. C'est que, il est fait pendant le Covid. Donc, tout a été fait par les artistes, <coughs> qui sont environ 200 à participer au projet, depuis chez eux. Et on sait ce que ça donne. Il y a eu des tonnes de de films qui ont essayé. Comme le, le, Bonello, là. Euh, comment il s'appelle, le film de Bertrand, de Bertrand Bonello, tourné pendant le Covid, avec des figurines. Euh, coma? Je ne sais plus. Mais bref, il y a eu pas mal de, de films ou de fan films qui ont été tentés pendant le Covid pour faire du sens. À cette nouvelle réalité confinée et en fait malheureusement c'est toujours compliqué de faire un truc aussi cloisonné de de, de, de s'exprimer en fait quand on a juste les murs de sapiole un fond vert et une caméra pourrie donc bah là c'est ce qui malheureusement euh, enfin le résultat ressemble à ça on ressemble en fait à ces trucs qui ont été faits comme l'épisode spécial de Parks and Recs comme les émissions de RuPaul Drag Race qui étaient faites pendant le Covid où en fait les meufs devaient danser chez elles euh, en trouvant un coin de pièce où il n'y avait pas 40 bouquins ou des fringues euh, et du coup bah voilà ça ça faisait ça faisait covid quoi ça faisait confinement ça ça faisait étouffer et bah là du coup le film en question raconte ça donc raconte l'histoire de Vera euh et de sa, sa transition euh, en tant que femme et enfin par le prisme du Joker et euh, bah, elle a été assistée par des artistes qui ont fait des petites séquences d'animation, qui ont fait des scènes, qui ont écrit des trucs, qui ont fait des, des plans CGI, qui ont mis des décors derrière ces fonds verts à elle et donc ça donne une histoire complète qui s'appelle The People Joker euh, qui parle de trucs politiques, qui parle de la, la transidentité aux États-Unis, mais dans un rendu qui fait fan film. Bon, alors après, comme le sujet est sérieux et peut-être que le film est bien, j'en sais rien. Hein, ils voulaient le présenter au Toronto Film Festival l'année dernière et Warner Bros. mécaniquement, parce que mais ils sont dans leurs droits. Hein, euh, ils ont dit, bah non, ce Joker, c'est à nous. T'as pas le droit de prendre le Joker. C'est pas genre euh, je l'emprunte. Donc ils ont fait euh, des programmés, je crois, euh, People's Joker à l'époque du festival. Et par un curieux hasard de circonstances, un distributeur s'est positionné pour une petite exploite sur cinq salles aux États-Unis dans cinq grandes villes, qui sont Washington D.C., Los Angeles, San Francisco, je sais plus. Enfin, des vraies grandes villes, pas des pas des, des villes de circuit, etc. Euh, et il va sortir là, tout bientôt. Donc, hein, on a une bonne avance vous pouvez aller la regarder. Bande annonce dans laquelle il s'est marqué au début, absolument non validé par Warner des voilà, tu vois, Donc, ils en jouent aussi. Hein. Et, et ils le savent. D'ailleurs, il n'y a pas une volonté de flouer qui que ce soit en faisant croire que ce serait un vrai film d'ici. Absolument. Hein. Et d'ailleurs, de toute façon, enfin, quand vous le regardez, les, les, les clins d'œil, entre guillemets, parodiques ou appropriateurs sont évidents. Il y a vraiment des plans qui sont repris du film de Todd Phillips. Quand Joker est devant les, les rideaux, t'as le Joker de David d'ailleurs qui est dedans. A des séquences en animation du coup qui effectivement reprennent des vrais designs de joker et tout donc euh, voilà c'est un fan film qu'on a élevé au rang de enfin euh, ça c'est un essai vidéo qu'on a élevé au rang justement de long métrage distribué ça veut pas dire qu'il sera pas bien ça veut pas dire que c'est pas intéressant et pour euh, les personnes qui s'intéressent à ce sujet et pour les personnes qui aiment voir justement la résonance euh, politico-social-plein de trucs des, des super héros parce qu'au fond, pourquoi pas, effectivement, le Joker peut être tout à fait lu comme une allégorie de la transition d'identité, de les, les, les sexualités non-genrées, enfin, les identités sexuelles non-genrées. Euh, donc, bon, voilà, moi, moi j'avoue, je suis curieux, mais je suis pas du tout client de ce genre de proposition. Pour moi, ce qu'on a fait pendant le Covid avec, pour essayer de pallier à la liberté d'aller de, dehors et de tourner des, des, des scènes n'a pas donné grand-chose de bien. Et de ce que je vois en fait, de ce, ce truc-là, c'est qu'effectivement, c'est dans, dans cette tradition-là, quoi. Oui, puis, toi un petit peu. Bah, j'ai vu la bande-annonce, euh, moi j'ai une certaine expérience des euh, des 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 films indés, Faux et tout ça, euh, tout ce qui est trauma et tout ça et euh, bah c'est dans c'est dans, dans cette gamme-là. Donc euh, je dis je dis pas euh... après je pense que voilà une projection dans le cadre d'un festival et tout ça euh, dans, dans les bonnes conditions, je pense que ça peut être quand même un, un truc assez intéressant à voir. Après j'avoue est-ce que euh, je... même s'il est disponible, c'est quelque chose que j'aurais envie de regarder chez moi et tout ça, je sais pas mais je trouve que le projet mérite d'exister. Et, euh, ouais, je pense que c'est, c'est, important quand même au moins de, de signifier que ça, que ça existe et de voir que, que parfois même ce genre de choses-là arrivent à outrepasser le, le, le la synchro propriété intellectuelle pour, pour oui, voir le fait. jour, hein. Et du coup, dans, je disais qu'elle avait, sur mon potes au SNL, parce qu'il y a Lord Michaels, qui est le fondateur et président du SNL, donc c'est un Night Live, qui est une émission ultra connue aux États-Unis, qui est une institution de la télé américaine où des AD célébrités sont invitées chaque semaine pour écrire des sketchs avec l'équipe du Maurice qui présente sur place. C'est de là aussi que vient John Mulaney d'ailleurs. Et Jimmy Kimmel aussi, je crois, je ne sais plus. Euh, du coup, voilà, il y a, y a ces gens-là. Il y a aussi une autre humoriste qui, j'ai oublié son nom. Il y a Bob Odenkirk, ouais, euh, de, de Better be be Call Saul, ouais. euh, qui, enfin, de, de plein d'autres trucs. Bob Odenkirk qui vient aussi participer. Donc, euh, on imagine que la Vera en question doit avoir le bras long, en tout cas, un, un cadre d'adresse assez sérieux. Ou que des gens sont intéressés à son projet au point de ouais, euh, euh, oui c'est ça c'est que elle, elle, a, elle a quand même la confiance euh, ouais de très de, de, de plein de professionnels de l'industrie tout à fait moi bon, bon, après mon... ça aussi tu vois c'est pas c'est pas c'est pas, pas Vera qui a juste ses potes pour faire un délire non c'est voilà t'as as des ouais, gens ouais, qui se dessus et tu dis Bien ok sûr. ça ça veut dire qu'il y a quand même une ambition artistique derrière qui les a motivés à participer bon, après moi le truc qui enfin le truc qui me préoccupe c'est comment est-ce que Warner Bros a laissé passer le truc a laissé passer ça quoi bah parce qu'ils sont quand euh, même très procéduriers. Euh, bah parce parce qu'ils ont regardé vraiment, ils ont dû voir le truc, ils ont dit mais en fait si on essaye de faire de, de le faire interdire de nouveau, en fait ça va faire Barbara Streisand, enfin FS Streisand et puis euh, on, va, on va se faire avoir quoi. Attends, ils ont ils ont fait un procès à une équipe de sport américaine parce que le logo ressemble à celui de Batman. Enfin, c'est pas pareil parce que il a pas non plus une réelle volonté d'exploitation ultra commerciale là-dedans. Je pense que les gens veulent le présenter le film. Alors bien sûr, il va peut-être toucher un peu des tunes pour juste se rembourser sur le ouais, tour. Sur, sur cinq salles. Euh... Oui, mais voilà, tu vois. C est, c est, c est... Alors que l'exploitation d'un logo sur une marque, en plus comme tu dis, c'est une autre échelle. Tu vois, euh, là, on est vraiment. Je, je pense justement qu'on est vraiment sur, sur du fan art en fait. De la même façon que on laisse les artistes faire des, euh, des commissions de personnages de licenciés euh, dans les conventions, bah là, je pense qu'on est vraiment dans ce même ordre de cas de figure. Ouais, peut-être. Peut C'est pas un film qui va jamais, jamais, jamais faire du mal à Warner d'un point de vue commercial ou d'un point de vue d'image ou quoi que ce soit. tu Non, ouais, mais on peut se dire par dire contre que ça veut War... dire quand même que Warner Bros., justement, s'il mais... ga... laisse faire sciemment et volontairement, pas à cause d'une faille juridique, ça veut dire que Warner Bros valide la possibilité qu'on prenne le Joker pour en faire une icône trans. Et ça, ça, culturellement, en tout cas à l'échelle de ce que, ce que le groupe représente politiquement, ah, c'est pas, pas inintéressant. Ouais, c'est pas une mauvaise chose non plus. Donc euh... Non, mais non, c'est parce que, non, mais ce que je dis. C'est qu'il ce serait, serait prêt, entre guillemets, à laisser passer ce truc-là et pas à l'assumer, mais à dire, ok, bon, bah, ça existe, ça nous choque pas, tu vois. Oui, oui, mais en même, bah, en même temps, j'ai envie de dire que, euh, tu, 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 tu l'as dit avant, enfin, le Joker en tant qu'icône queer, ça fait des années, de toute façon que ça a été repris, que c'est un, un symbole qui a été repris par les communautés queer de, 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 de toute façon. Sans, et, et, et a priori d'ici quand même a évolué aussi euh, publiquement sur ses positions sur les, sur les communautés LGBT, sur les représentations avec le Joker, avec Harley Quinn, avec pas mal d'autres personnages de l'assaut ils ont été très proactifs avec le personnage de Dreamer, de, euh, du coup de oui, Nicole Maines. Merci de Nicole Maines. Donc euh, pour moi c'est assez et raccord en fait. On est, Enfin deux romans graphiques. Ouais, non ou... mais tu vois pour moi c'est plutôt raccord dans la dans le positionnement de bah DC bah oui, en tant que tel. Oui, bien hein. sûr. Moi, je, tu vois, je dis pas mmh. oui ou non, je dis juste que si tu veux, c'est un électoral et tout, ce sera intéressant de savoir si, euh, justement, cette boîte-là, contrairement à une autre boîte, ne euh, fait pas bah, juste ça pour la gamelle, et voilà, ça me ouais. plaisir. Après, techniquement, tu vois, sur les fan-films, parce qu'on est vraiment dans ce cas de figure, ils ont jamais empêché qui compte de faire des fan-films. Je veux dire, qu'il y a, tu sais, le fameux Batman euh, Ashes qui, qui a été oh fait, ouais, qui bah, Les, ba les, les fan-films Batman, il y en a eu 40 000. Il y a même les nazis qui, font, qui ont leur univers partagé, tu sais, de fan-films Batman, Superman, Spider-Man et tout. Hein. Vu ah ça? oui, ça me dit quelque chose. Oui, les trucs qui avait l'air éclaté là. Ouais, bah, je suis éclaté. Hein. Bah voilà, bah, bah, forcément. Euh, bref, on termine cette partie cinéma avec le projet The Stuntman, euh, le euh, nouveau film qui sera produit par Mathieu Vaughn et qui s'inscrit dans ce projet d'univers tellement bizarre qu'on sait vraiment pas ce que c'est. Donc c'est réalisé par Damien Walters. Euh, ça s'intéresse, comme le titre l'indique, à euh, des cascadeurs. C'est l'histoire de deux frères qui deviennent cascadeurs. Et le truc, c'est qu'en fait, ce film, c'est en fait le deuxième opus d'une nouvelle trilogie de Matthew Vaughn dont le troisième film est en fait le reboot de kick -Ass. vous avez rien compris c'est normal en gros il va y avoir trois films qui vont sortir euh, donc, euh, qui sont produits par Marv Films donc la boîte de prod de Matthew Vaughn le premier s'appelle School Fight c'est deux adolescents ou adolescentes euh, qui se battent euh, dans, un, dans leur établissement scolaire pour euh, à cause d'une troisième personne dont ils sont amoureux ils ou elles sont amoureux j'ai pas réussi à déterminer c'est ça le synopsis ouais mais après ils sont amoureux de la même personne ils se tapent sur la gueule une heure et demie. Ouais, peut-être que ça va. Ouais, <laughs> peut-être que justement, ça, dans un côté très pop, ça va prendre en ampleur oui, et que ça et va faire un... C'est un truc euh, presque à la. Euh... De main demie. Ouais, non, vais dire Crow Zero, en fait, ça devient une baston ah, de gang, oui, en fait, tu putain, vois. Putain, ouais, trop bien, les cross, j'adore bah ben voilà ça pourrait être un truc comme ça mais bon donc ça c'est le premier film après il y a The Stuntman donc il s'intéresse à deux cascadeurs et après il y aura un reboot de Kickass et a priori donc les éléments de euh, School Fight <laughs> et de The Stuntman doivent mener au reboot de Kickass dont on tu ne sait toujours pas quelle forme il prendra parce que visiblement ce ne sera pas Patience Lee il y a priori ce sera peut-être toujours euh... Dave Lissowski Dave Lissowski merci euh, c'est trop bizarre ce truc ce, ce truc n'a aucun sens et en tout cas je trouve ça super couillu parce que ça va à l'antithèse même de la façon de faire des, des revivals ou des reboots et de tout ça du Hollywood donc je trouve ça peut-être couillu a voir hein, si les deux films en question, euh, School Fight et Snapman, sont des bons films vraiment cool, parce que Matthew Vaughn récemment c'était Argyle, et Argyle c'est horrible, <laughs> à mon humble avis, mais c'est vraiment pas très bien. donc euh, je, beaucoup je... de gens qui pourraient dire que The Kingsman ou Kingsman 2, c'est pas incroyable non plus. Hein. Alors Kingsman, non. Kingsman 2, on peut <laughs> avoir, c'est. Euh, encore... J'ai pas dit que c'était mauvais, hein, j'ai dit que c'était pas incroyable. Et moi j'avais bien aimé le The Kingsman, par contre j'avais trouvé vraiment chouette. Donc, euh, bon. Oui, parce que c'est celui-là que je te parlais. Ah, pardon, ok. Dans Kingsman 1, il est formidable. Hein, je... Oui, d'accord, ok. Donc, je sais pas ce que tu, qu ce t'arrives à comprendre ce projet, vraiment? Non, trop bizarre. Euh, très honnêtement, je comprends même plus Matthew Vaughn. J'ai l'impression qu'il vient d'une terre étrangère où, en fait, tu prévois un film trois coups en avance. Alors que ça marche pas comme ça à Hollywood, ça n'a jamais marché comme ça. Et enfin, si, ça a marché à l'époque de Cuisine Faggy au début, mais aujourd'hui, enfin, ça me paraît mettre la charrue, euh, très longtemps avant les bœufs. Enfin, en fait, tu mets trois charrues avant. Euh, non, mais tu mets trois charrues alors que la vache, elle est encore en gestation, quoi. Oui, c'est ça. Et en plus, <laughs> un, un reboot de Kikaz. enfin De, de quoi parle-t-on? Parce que, est-ce que c'est un reboot de ou Dans le sens où on refait Kickass à zéro. Est-ce que c'est un nouveau personnage qui s'appelle Kickass mais qui n'aurait rien à voir avec les comics Et Ça se trouve, ce sera un Legacy. Enfin, ça se trouve, ce sera avec de nouveau avec. Euh... Dave, oui. Bah alors, Ar si Ar vous c'est un peu plus. Aaron Taylor Johnson, je veux dire, tu vois. Mais ce serait chelou. Enfin, il y a. Sorti grandi de son euh, Craven euh, qui l'aura réinstauré comme euh, Mal Alpha Ultime, il revient faire Kickass. Sauf que c'est un Kickass, tu sais. Euh... Il n'a jamais, jamais pas été instauré comme Mal Alpha Ultime, par contre. J'ai dit réinstauré. Il n'a jamais pas été instauré. Il n'a jamais, genre, on n'a jamais oublié que c'était un ah. mal-alpha ultime. <laughs> bah, quand même, à l'époque, il casse et tout. C'était pas un mal-alpha ultime. Ouais, ça fait longtemps. Frère, frère. C'est vrai que c'était il y a longtemps. Bah, je sais, mais je sais pas, écoute. Mais je sais, en fait, chez moi-même le, le problème. Enfin, un school fight. Ok. Un univers scolaire. Euh, qui casse. Pourquoi pas. Stuntman. Quel rapport avec un cascadeur. Ça... Dans les deux cas, c'est des gens qui se, qui se tapent sur la gueule et qui vont prendre des risques, j'imagine. Donc, on pourrait imaginer qu'il y a une sorte de. De double casse ou que le méchant de School Fight soit le héros, enfin, entre guillemets. Oui, euh, il y aura sûrement des gimmicks comme ça. Tu hein. vois, voilà, qu'il sème des petites pièces, mais est-ce que c'est vraiment, c'est la peine de se faire chier à ce point-là pour Kikas? Kikas, c'est un mec qui porte une tenue de plongée, avec des tonfas qui va dans la rue, qui se fait casser la gueule par des, par des voyous. C'est pas l'univers le plus compliqué à introduire ou à réintroduire. Ouais, peut-être parce qu'il y a un twist justement, dans cette perspective de reboot. En fait, ils sont amoureux de It Girl, qui a décidé d'arrêter de tuer des gens pour aller au lycée. Et du coup, school fight, tac. Et voilà. Et stuntman, ça se trouve, c'est qui casse Enfin, stuntman, l'un des frères. Ouais. Non, mais du coup, ça marche non, pas. parce n'y a, ouais, a pas de frère. Il a pas de frère. Bah, <laughs> peut-être qu'il, peut-être que. Et peut-être que. Et, et peut-être peut que stuntman, le... c'est en fait c'est les cascadeurs du film qui cassent. Peut-être que Patience City sera, sera quand même Patience Lee, tu vois. Peut-être que ce sera quand même Patience Lee dans le reboot. Oh. oh, oh. <laughs> qui a envie de ça Je sais pas, mais. Euh, écoute je sais pas quoi en faire très honnêtement je pense que Mathieu vaughan il est parti euh, loin euh, ça fait déjà longtemps qu'il nous casse les couilles avec ses projets de franchise avec euh, quand il a fait <laughs> Kingsman 2 il a dit les hey gars il y aura Statesman il y aura un spin-off euh, je sais pas où je te rappelle, quand il avait dit qu'il y avait 7 films dans cet univers là. Ouais, il, Kingsman qui avait dit, il y aura une série télé Kingsman ouais. en plus euh, t'as envie de dire mais frère calme-toi calme-toi fais film par film s'ils si sont bien ce qui n'est pas le cas de Argyle là on pourra discuter en plus pareil on ne sait pas où on sera Kingsman 3 à ce moment-là parce qu'il a dit que c'était encore en projet hein. je crois euh, même plus, ça, moi, non, plus crois non plus j'y crois plus enfin t'as il aura quel âge quand ils le feront enfin ça <laughs> suffit bah, il sera comme ça <laughs> voilà ce sera le père Fouras de l'hiver Kingsman euh, Argyle en plus je suis étonné du, du bruit qu'il a fait à ce film il a fait du bruit mais on l'a vu partout quoi enfin il y a les circuits pour mode d'interview et tout maintenant quoi on a du couper l'actualité dessus je te jure vraiment. bah non on l'a pas couvert j'ai fait j'ai fait zéro où il du parle celui. justement de ce truc-là dans le cadre de la tournée promo de Argyle donc on a couvert les, les prises de parole de ah oui dans, dans ce cadre là oui de Mathieu Vauld et t'en as plein qui viennent lui donner l'heure en moi je dis ah ouais alors le reboot de Kikas mais mais hier c'était que il y a combien de temps qu'il pas justement mais parce qu'il est bah oui mais tout le monde il y a dix ans le 2 non enfin oui mais oui ben bah, maintenant il a tellement parlé euh, de, du 3ème troisième pas bien en plus bon oh. oh non mec s'il te plaît respecte-toi Violent. Il y, avait il, il y avait Jim Carrey. En fait, je prends le moindre film pourri, je te mets une gerbe de sang et en hey mode, oui. C'est pas mal! <rire> oui! <rire> ok. Mais donc voilà, moi personnellement, Matthew Vaughan, il faut déjà qu'il fasse un bon film, un vrai bon film. Ça part pour toi, Pour ouais, me convaincre. Euh, ouais. Pour l'instant, je vois pas. En tout cas, qu'il arrive à convaincre que qui quoi. casse. Mmh. Voilà. Déjà, même Mark Millar a l'air de pas être... Enfin. Non, je passe pas les Big Games. Euh, mais bref, il y a des trucs dans, dans Big Game par rapport à casse, euh, qui sont assez surprenants quand on voit la fin de la trilogie, slash tétralogie euh, en comics. Ensuite, on a déjà eu un bon film qui était largement suffisant. Si vous voulez rebooter qui c'est à refaire un nouveau Dev Luzeski. Euh, au présent, moi, je suis pas contre. Mais dans ce cas-là, vous rebootez casse. Vous me dites pas, c'est casse, Old Man casse. Là, je suis désolé, ce serait un aveu d'échec considérable. Euh, et pour la carrière d'Aaron Taylor Johnson qui doit revenir au rôle qu'il a fait découvrir il y a 15 ans. Et pour euh, Matthew Vaughan qui doit revenir au film qu'il a fait percer il y a 15 ans. À un moment donné, les gars. En plus, c'est pareil, il y a zéro chance. Il y a quand même assez peu de chances qu'un studio valide un projet sur trois films, dont deux créations originales, quand même. Bah, je sais pas. C'est bizarre. Qui est-ce qui finance ça hein? Bah, c'est lui, c'est Marf Marfil qui produit, quoi. Donc, c'est sa boîte de Mais production. Il a Un contrat avec la NASA ou quoi enfin, des... Ah, bah, après, s'il fait financer ça par le Deep State, hein, on sait pas. Hein. <laughs> avec les crypto-monnaies. <laughs> les NFT. <laughs> les fameux le métaverse, tout ça et tu vois pour, pour moi c'est comme euh, encore une fois c'est comme Guy Ritchie c'est des mecs qui ils, ils savent pas vieillir ces gens en fait ils s'enferment dans leurs gimmicks c'est mmh. pénible ouais. on verra bien ce que ça donnera en tout cas bah, bah, on vous en reparlera de façon détournée je sais pas s'il faudra couvrir School Fight ou The Stuntman mais après ce sera toujours l'argument de dire ouais mais c'est dans le futur Kick-Ack Universe, Kick-Ack Universe, ce sera un petit peu bizarre. kick Universe. Ouais, mais écoute, toi, ça marche pas, ça marche pas. C'est hein. pas, j'y crois pas, pas tu vois. C'est pas agréable de l'entendre. Je, je dis pas, putain, 3 du kick Universe. Ah oui, avec le spin-off sur Red Mist et, <rire> et, <rire> et le crossover <laughs> à la fin avec Askicker. <laughs> oui, et ils ont pas de pouvoir toujours, hein, mais <laughs> ils vont juste se mettre des, coups, des petites gifles comme ça. Ouais, ma foi, ils se tapent bien quand même, c'est ce que j'aimais bien quand même, cette approche-là. Ça, 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 dans les premiers volumes, putain, ça Les premiers volumes, Ouais. Quand c'était John Romita Junior encore en forme, quoi, qui, qui dessinait pas trop mal. Euh, bref, donc c'est la fin de ce podcast. Hein, vous l'aurez compris. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. Les partages, tout ça, c'est important. Je vous, je l'ai déjà dit dans le dernier baguicheux. Mais euh, fait longtemps qu'on n'a pas eu de commentaires, de petites notations et tout ça. Donc n'hésitez pas à le faire sur Apple podcast, notamment sur podcast addict aussi. Si vous, si vous nous écoutez là-dessus, sur Deezer, sur euh, sur Spotify aussi. Merci à toutes celles ceux qui lâchent des euh, des commentaires sur Spotify. Euh, c'est chiant parce qu'on peut pas On vous répondre. Double non mais on peut pas répondre en fait c'est un peu relou mais par contre je les vois je les valide à chaque fois ça, donc c'est cool vous participez à la vie du podcast aussi comme ça c'est très très chouette d'avoir vos retours là-dessus donc merci à toutes et tous de nous écouter on vous fait plein de bisous et on vous dit à, pro à bientôt pardon pour les prochaines émissions salut salut